Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle VOD et sur Twitch. Bon bah voilà, hein, on continue. Je viens de farmer à l'instant 1200 fragments d'étoiles parce que je veux débloquer deux Winfrelluma, à savoir celui de la salle des machines et de la salle de jeu. Donc écoutez, on est y part. Et vraie question d'ailleurs sur Twitch et sur YouTube, je ne vous ai pas posé la question. Mais comment allez-vous? Et écoutez, voilà, on a pas mal de fragments, j'ai pu récupérer pas mal de vie au passage. Et bah là, on va en récupérer encore plus. Alors ce soir, on verra, selon mon envie, ça peut être une grosse session comme une petite session. Mais je sais pas si je ferai Bowser. Bon, comme d'habitude, vous connaissez, faites-moi confiance, regardez les anciennes VOD. On sait que là, on peut passer ces escaliers-là. On sait qu'on peut atteindre la salle des machines... grâce au fait qu'on peut faire le tour ici pour monter dans la cuisine et atteindre la salle des machines ici sans problème. Donc là-bas, ce Gwenfrelluma, on le fera après. Là, ici, c'est pareil, hein, encore une fois, je l'ai déjà montré plusieurs fois que c'est cela était possible. Après, on va là. Donc voilà, Gwenfrelluma numéro 1 ici, Gwenfrelluma numéro 2 ici. Parce qu'actuellement, j'ai pu faire deux Gwenfrelluma et ces Gwenfrelluma m'ont coûté respectivement 1 et 0 saut pour finir leur level. Donc écoutez, ce gigaston que moi je prends avec plaisir. Et donc voilà, comète blanche. Les comètes blanches dans le jeu, c'est comète avec une seule vie. Et évidemment, bah là, l'objectif, ça va être de battre la reine Kamek. Et donc du coup, comme j'ai... Oh, attends, quoique. Ça dépend où est-ce qu'ils nous font spawn. Ça dépend où ils nous font spawn. Ah, c'est bon, ils nous font spawn directement là. Ok, bah du coup, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, bah là, on est exactement dans la même situation que la dernière fois. Hein. Là, c'est juste, tu te laisses tomber, tu tournoies. Attends, parce que lui, il me fait peur quand même. Voilà. Merde. Oh, je veux montrer que c'est possible. Attends. Voilà. Voilà, et après, bah, on fait ça deux fois. On arrive au boss tranquillement, sans souci. Et bah écoutez, ça va faire en sorte de ne pas perdre. Ça serait bien. Est-ce que ça serait bien ou... Alors, le plus dur, évidemment, ça sera la seconde phase. Paf. Bon, je me permets de sauter parce que ce boss, je l'ai déjà fait une fois sans sauter. On sait qu'on n'a pas besoin. Allez, envoie-moi la carapace. Paf! Donc après, deuxième phase. Ouais, cette phase-là est difficile pour le coup. Donc écoutez, voilà, là on a vu, il n'y a pas besoin de sauter. Par contre, ici, on est obligé de faire au moins deux sauts pour atteindre ce pilier. Attends, j'ai un petit peu peur. J'avoue que là, pour l'instant, c'est la guerre. Ok. Bon, j'attends un petit peu. Parce qu'après... Après, il faut se dire qu'elles vont respawn les trucs. Bon, là, la stratégie du coup dans le speedrun. Mais c'était très dur et j'ai vraiment galéré. En fait, ce qu'il faut faire, c'est rester sur cette bordure là. Parce que sinon, on peut pas taper la Kamek. Oh! Quoi? Non, tu te fous de ma gueule. J'ai été repoussé. Putain. Ah, ça me fait chier de restart ça. Hein. Je savais que j'allais crever, n'empêche. Je m'en doutais un petit peu. Non mais ce combat n'est pas simple. Vraiment la deuxième phase elle est dure. Mais oui, ce que j'avais fait du coup bah la première fois c'est que j'étais resté sur la petite bordure. Mais j'étais resté sur la bordure à gauche. Et le but après bah c'est d'esquiver tout quoi. Mais... On va essayer de le faire rapidement. Hein. On sait que cette étoile voilà elle est pas... Elle est pas simple, elle est pas donnée mais elle est... Elle est faisable assez facilement, je te dirais.
Voilà, bah maintenant juste à réussir quoi. Le pire c'est vraiment les mini Kamek hein. Voilà, normalement là, j'aurais dû rester ici. Et après, bah là, j'aurais pu la toucher. Bon, là, j'ai raté pour le coup. J'ai fait le malin. Et je risque de regretter. Oh putain. Oh. Putain, l'enfoiré. Ouais, voilà, typiquement là, tu vois, la carapace verte, elle est free ici. Et bah voilà. Donc du coup, on sait que cette étoile-là... Enfin, je me suis pas fait chier à retryhard comme la dernière fois, vraiment. Ah, attends, comment ça ma caméra, je peux interagir avec? Attends. Ah ouais, webcam source, je peux la bouger. Ah merde. Hop, je lock. Alors, est-ce que ma caméra, je l'ai bougée? Ah, putain. Bon, il y a moyen que ma caméra, je l'ai un tout petit peu bougée, qu'elle soit pas parfaitement dans le cadre. Bon, c'est pas grave. Bref, bah du coup cette étoile là, donc c'était l'étoile de la comète. Bah du coup voilà, hein, c'est exactement comme celle qu'on a déjà pu faire. Donc là, bah malheureusement, on a fait deux sauts pour atteindre ce pilier là. Et après, bah... Malheureusement, quand on bat le boss, on est TP ici. Donc bah ça veut dire on peut plus retourner là. Sauf si on peut, c'est vrai que j'ai pas testé de remonter. Ouais mais non, on est trop repoussé. Hein. Là s'il restait du feu, on pourrait. Mais on peut pas. Et même là, on peut pas se... Ouais, on va pas assez loin. C'est très rare d'avoir... Je crois que j'ai chopé aucune étoile en faisant ça. En étant repoussé par un mur. Et bah écoutez, tant pis. Donc ça nous fait 74 sauts. Actuellement. Ouais, avant là où une étoile qui me demandait 4 sauts, je l'évitais. Maintenant, on va dire que je l'accepte. Surtout, là, on aura la plage Saladier, où je sais que c'est un monde qui est très intéressant pour moi. Donc faudra que je le fasse. Alors, une question que je me pose, c'est quoi la troisième étoile? Ah putain, c'est vrai que là, je l'ai toujours pas débloqué. Bon, ça, c'est un level où il faut sauter tout le temps, donc c'est même pas la peine. La troisième étoile de la grotte du donjon, qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Parce qu'en plus, il y a une étoile secrète que j'ai toujours pas faite. Un siège de Polo. Oh, ça c'est bonne nouvelle pour moi. Ça, c'est probablement un level où on n'a pas besoin de sauter. Ouais, je crois que c'est un niveau où on n'a pas besoin de sauter du tout, celui-là, vu que l'étoile est dans l'eau. Oh, ben j'ai bien fait alors. Bon bah écoutez, on va avancer tranquillax. On va aller dans l'eau vu que c'est ouvert. Elle est tout le temps là, elle. On profite, on ramasse ce qu'on peut ramasser. Et maintenant, faut éviter de toucher les ça là. Comment c'est des murènes? Des murènes ou des anguilles ça? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Polo? Et Polo, l'astico, oh, oh, oh. Et bien sûr, de toi, il faut passer par les 8 anneaux. Ok, bon, ouais, bah, confirmé. C'est un level où on n'aura pas besoin. Ah, le petit bâtard. Ah, ça me donne de l'air, ça, j'avais oublié. Oh, putain. Ok, ça va. Oh là 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 là. J'aime pas. Putain, il est où? Et en plus, je crois qu'on a du temps. Quoique non. Et la dernière... Elle est là-bas. Attends, je peux y aller là-dedans? Ouais, sinon, on y va comme ça.
Eh ben écoutez, je n'ai aucune idée d'où se trouve l'étoile. Elle est là. Elle est pas là. Elle est là. Je crois qu'elle est là. Let's go. Eh ben écoutez, rentable. Rentable. Bon certes, ça a fait un petit peu mal. Ce monde a fait un petit peu mal. 3, 4 et 3. Mais on termine sur un 0. Donc en vrai, ça va, je te dirais. Donc ça veut dire qu'actuellement, on a fait combien? On a fait 10 sauts pour 4 levels. En vrai, ça va. En vrai, de vrai, ça va. Eh ben écoutez, moi, ça me permet de gratter des étoiles. Donc là, malheureusement, ici... Ah, ici, je l'ai toujours pas débloqué. Bon, la flotte armée, je vais même pas le lancer parce que c'est sûr à 100% qu'il y a besoin de sauter plein de fois. À la limite, je pourrais tester après, mais bon. Est-ce que j'ai bien fait de sauter? Oui. Eh bien, écoutez, on va aller faire, du coup, maintenant, les Goinfrelumas. Et après, je pense qu'on va aller dans la plage Saladier. Et ça serait bien, je vais... Ce qu'on va faire, c'est... On va checker les deux levels de Goinfrelumas pour voir s'ils sont intéressants. Après, on va aller tout en haut, là, le level que je vais débloquer. Et après, on ira à la plage Saladier. Parce que pour moi, à la plage Saladier, le premier level, on l'a fait. J'ai pas récupéré l'étoile. Mais on l'a fait et on sait qu'il y a besoin de 4 sauts. Et je suis quasi sûr que les sauts... Les levels qui suivent derrière, il y en a un où j'ai pas besoin de sauter du tout. Donc dès cet instant-là, pour moi, c'est que ça vaut le coup. Et après, la comète et l'étoile numéro 3, normalement, il y a besoin d'un saut. Normalement. Je suis pas sûr. Ah, le voilà! Le fameux level boue ou abeille. Ah. Déjà, ça commence bien. Quoique là, on peut monter, non? Ah. Bah attends, bah là, on va pas se faire chier. Hein. Voilà. Ah, mais du coup, elle va nous faire chier jusqu'à la fin? Qu'est-ce qu'on prend? Plutôt boue, moi, je pense. Hein. Je pense que le boue est plus intéressant. On va juste se méfier. Mais ouais, mais l'abeille, c'est hyper dur. Merde, attends, là, je passe pas. Vas-y, là, c'est bon. C'est quoi, ça? Ça, c'est pour te faire chier si t'es en mode abeille. Normalement ça va, je suis pas trop concerné. Vas-y, là on va passer par la droite. On est toujours à aucun saut. Ah putain, merde. Là on aura besoin de faire un saut. Attends, je vais attendre. Vas-y. Là par contre je sais pas où je dois aller. Je crois qu'il faut que j'aille par là, non? Non, si la caméra elle m'aide pas, c'est que c'est pas ça. Alors la question c'est, est-ce que... Ouais, si c'est bien par là. Vas-y, j'attends un peu pour récupérer l'étoile. Nickel. Oh putain. Oh, fais chier. Mince, j'ai pas fait exprès de sauter. Enfin, je peux pas faire le saut... Ah, j'arrive pas à le faire. Attends, à la limite, si je suis pas en mode étoile, ça peut peut-être aider. Ah putain, fais chier. J'espère qu'on nous donne une save. Ah putain, ah là, il y a beaucoup de sauts à faire en plus. Hein. Ok. Je pense que le plus safe... Ouais, à la limite, on peut caler 2 sauts. Mais après, peut-être que ce que j'essaie de faire est peut-être possible, mais je sais pas. Bon là par contre je l'ai vraiment pris un timing de merde je crois. Bon allez. Parce que le problème c'est que ça va tellement vite que tu peux pas tournoyer.
Ouais, parce que là, suffit que je fasse un long jump là, quoi. Putain. Ah, putain, je sais pas si on peut faire le saut mural, j'ai pas l'impression. De toute façon, j'ai beaucoup de vie, donc je peux me permettre de tester. Ouais, là, la perspective, elle m'a un petit peu niqué. Ah ouais, ok. Ah putain, et là, du coup, je suis direct en mode course. Spouep, ouep, ouep, spouep, spouep. Putain. Ah ouais, non. Je crois qu'on ne peut pas. Bah écoutez, hein, on va faire un long jump, c'est pas grave, en espérant qu'il passe. Donc ça veut dire qu'on aura besoin de faire deux sauts dans ce niveau. Un pour récupérer l'étoile et un juste pour s'approcher de l'étoile. En vrai, ça va. Hein. Deux sauts, ça va. Mais il y a un monde où c'est possible de réduire ce chiffre, quoi. Bon, allez. Ok, nickel. Est-ce que là, il y a moyen d'arnaquer? Je crois pas. Hein. Ouais, non. Aucun moyen d'arnaquer. Bon, écoutez, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc là, on vient de faire le Goinfreluma. Attends, comment je les appelle, les Goinfreluma, déjà? Je les appelle les Géluma. Ah, c'est ça. Donc là, c'est le Goinfreluma de quoi? De la terrasse? Non, de la salle de bain, pardon. Ah, de la salle des machines. Oh là là. Donc, deux sauts. Donc, deux sauts. Pour atteindre et récup l'étoile. Eh bien, rip. Une nouvelle galaxie a été découverte. Ah, ah bon? Ah oui, parce que j'ai 52 étoiles. Donc là, il nous en manque plus que 8. Eh bien, tout ça. Bah écoutez, on va aller à la salle de jeu. On va le faire. On va aller faire le Goinfreluma qui est là-bas. Et après, normalement, si tout va bien... Si on va à la plage Saladier, je pourrais... Je pense que la plage Saladier, ça risque d'être la dernière galaxie que je fais. On verra, ça sera la surprise. Parce que si je prends l'étoile 1 de la plage Saladier, ça me débloque le Goinfreluma qui est là. Ça me débloque l'étoile 2, 3, secrète et la comète qui, selon moi, ont besoin de 1 à 0... Non, pardon, ont besoin de 0 à 2 sauts chacun pour être récupérés. Et après, derrière, on chope le Goinfreluma, comme j'ai dit, ouais, comme je voulais le dire. Et le Goinfreluma de la cuisine, l'étoile secrète, donc l'étoile verte. Pour moi, là, comme ça, il y a besoin de sauter une fois pour récupérer l'étoile. Et encore, je suis pas sûr. Pour moi, il y a moyen qu'il faille même pas de sauter. Donc écoutez, on verra. Ça se trouve, ce Goinfreluma, il vaut même pas la peine. Ça sera la surprise. Et ça y est, je suis repu! Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Alors, quel est ce niveau? Ton chat, il est mort. Ah bah, malheureusement. Le roi de la vitesse sur la route spectrale. C'est dans ce jeu-là, la phase 2D? Hein? Putain, je croyais que ce niveau était dans Galaxy 2. Bah, normalement, on n'a pas besoin de sauter dans ce niveau. Oh! Salut encore sur Mario Galaxy. Eh bah, tu vois? Hey, Mox! Ah bah, rip, on est obligé de sauter. Putain, hey, ils auraient pu nous faire spawn sur le tuyau, quand même. Ouais, y a pas moyen d'arnaquer, là. Ouais, je peux monter là, mais après, qu'est-ce que je fais? Bah, ouais, condamné à sauter, ici, hein. Putain, fais chier. Eh bien, bonsoir Tesgat et bienvenue sur ce nouveau streaming. Et vraie question, comment vas-tu? Mais écoute, je sais pas dans le chat. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Paf! Merde. Paf! Très bien, toi. Bah, ça va, nickel, merci. Alors, je vais répertorier les sauts. Bah, déjà, on en a fait un pour le tuyau au début. Hein. Un saut pour tuyau orange.
Bah écoutez, je sais pas quoi dire de particulier, à part jouer au jeu. C'est quand tu veux. Fais la course avec moi. D'accord. Ouais, donc il y a moyen qu'il faille faire deux sauts pour cette étoile-là. Ah, j'étais persuadé qu'elle était dans Galaxy 2, cette étoile. Mais non. Ah, on va plus vite qu'en tournoi. Ah! Misère. Tac. Ah ah! Ah ouais, en effet, on va plus vite. Merde. Ah, j'ai cru que j'allais m'écraser. Putain, la musique apparaît un petit peu lente, c'est perturbant. Attends, gagnons du temps. Oh là là. Putain, il est bizarre ce level visuellement. Putain, les fragments d'étoiles ici. Je sais même plus à quoi tu joues à part Mario Galaxy. Ah bah, j'ai tué. C'est vrai que je spam peut-être un peu le jeu. Non, bah, à part Mario Galaxy, je fais pas mal de choses. Bah, surtout cet été où j'en ai fait beaucoup. Oh, attends. Ah, c'est bon, on est encore en fantôme. Voilà, hop, allez. Et bah, du coup, le seul saut ici, donc le gel humain, la salle de jeu. Hop. Eh bien, un saut. Et c'est juste pour atteindre deux tuyaux. C'est des petits bâtards. Ils auraient pu nous faire spawn dans le tuyau quand même. Hein. Eh bien, ça nous fait un seul saut en plus. Donc là, on est à 77. Ce que j'ai oublié avant d'incrémenter. Vas-y, moi, je te laisse à la prochaine. Eh bien, merci d'avoir été là. Et à une prochaine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait un petit peu cet été, là, de beau? Non, cet été, j'ai fait beaucoup de choses. Mais là, c'est juste, on est à la... Là, on va dire, mes gros let's play, je les ai terminés. Donc là, vu que j'ai commencé Mario Galaxy la semaine dernière et que je kiffe, eh bien, je spam. Et encore, hein, tu vois, ça se trouve, ce soir ou la prochaine fois, je finis la 100% et je vais marquer une pause. J'essaierai peut-être de faire le 100%, mais avant ça, j'aimerais quand même commencer le montage de la vidéo que j'aimerais sortir sur cette thématique-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, là, je fais du Mario Galaxy en Jumpless Challenge. Je fais du Animal Crossing, je joue à un fangame Pokémon qui s'appelle Xenoverse. Je fais du Genshin, évidemment. J'ai fait Bowser's Pew... Voilà. J'ai fait Bowser's Fury, Mario 3D World avant. J'ai fait la Porte Millénaire, donc Paper Mario. J'ai fait Sonic Frontiers. Et concrètement, c'était ce que je faisais pendant tout cet été. C'était tous ces jeux-là auxquels je jouais. Après, au tout début de mes vacances, j'ai fait Mario 3D Land. Et ouais, j'étais en train de finir Donkey Kong Country Tropical Freeze. Vu que j'ai fait un marathon des Donkey Kong Country, je l'ai terminé à la fin de... Enfin, au début de mes vacances. Ça doit être Genshin que je me suis abonné. Eh ben écoute. Genshin, ouais, j'en ai pas mal fait. J'en faisais deux fois par semaine. Une seule fois, j'en ai fait trois fois. Dans une semaine. Bah, c'était la semaine dernière où j'ai fait trois streams sur Genshin pour la mise à jour de la 4.8. Mais avant ça, bah, je faisais de l'exploration à Fontaine, que j'ai pas terminé, que j'essaierai de terminer cette semaine. D'ailleurs, à la fin du stream Mario Galaxy, là, je vais faire le planning que je n'ai toujours pas fait. Le planning de cette semaine. Habituellement, je l'ai fait les dimanches. Mes plannings, mais vu que ce dimanche-là, c'était un peu compliqué. Enfin, hier, hein, vu que j'ai lancé le stream très tard, j'avais un peu la flemme de faire le planning, du coup. Donc voilà. J'aurais dû le faire en début de ce stream-là, c'est vrai, maintenant que j'y pense. Mais bon, c'est pas grave. Dans deux jours, Natlan. Je suis pas plus impatient que ça. Même Fontaine, j'étais pas méga épais non plus, j'ai un peu pris mon temps. Oh, oh putain. Oui. Mais oui, c'est vrai. Comment j'ai pu l'oublier? Oh là, alors là, j'y crois pas. Hein. Là, après, la lave nous permet de sauter.
Mais la première étoile, juste la première étoile, je pense que c'est mort. Hein. Écoute, on va tester. Mais là j'y crois pas. Hein. Là, il me reste combien? Attends, en vrai, il me reste pas beaucoup d'étoiles. Ah si, il m'en reste 7 quand même. Attends, quoique... Les 7 étoiles, là, je peux peut-être les choper avec la... Ah oui, attends. Les 7 étoiles restantes, je peux peut-être les avoir grâce à la plage Saladier. Et au Goinfreluma de la cuisine. C'est possible, ça. Ouais, écoute, ça sera la surprise. Alors, il me semble, là, faut que je récupère des étoiles bleues ou c'est le prochain level qui est comme ça. Je me souviens plus. Ah. Alors, est-ce que je peux monter sans me... Je suis obligé de me brûler pour monter ici? Est-ce que ici, il y a moyen d'arnaquer le truc? Ouais, peut-être. Peut-être là. Attends. La caméra m'aide pas trop. Est-ce que je peux arnaquer le truc là? Est-ce que je peux monter sur les bornes? Putain, je peux même pas, sérieusement? Donc ça veut dire que je suis obligé de me brûler si je veux passer le début. Ah, je suis obligé de me faire toucher au moins 2 fois. Ouais, ça va, je récupère ma vie en vrai. Allez. Dos. Ok. Maintenant qu'on est là. Ici. On y va. Là, pareil. Là. Nickel. Alors, je vais juste prendre mon temps. Là. Alors, c'est ici où j'ai des doutes. Est-ce que j'aurai le temps de passer? Oui. Là, j'ai même pu aller là. En vrai, c'est bien que j'ai pu atteindre cet endroit. Parce que vu que j'ai atteint cet endroit, ça veut dire que je peux atteindre cet endroit-là. Je sais pas c'est quoi le mieux. Je pense que là, c'est plus facile. Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Je peux faire un saut mural là pour faire un saut mural là et après monter. Ah non, je peux pas. Est-ce que j'avais un intérêt de venir ici? Parce que je sais pas si en me brûlant les fesses, je peux choper ça. Ah putain, je peux pas. Ouais, je vais essayer ce que je fais là. Ok, ça passe. Paf. Alors maintenant. Oh merci. Merci de faire ça. Parce que du coup... Merde. On va dire que rien ne s'est passé. Ah, j'étais trop proche du mur. Tac. Voilà. Alors, juste par curiosité, il y a quoi en haut? Il y a juste des pièces. Ok. Donc, du coup, maintenant qu'on est là. Hop. Eh ben, nickel. Donc, ça nous permet d'aller là et d'aller là. Eh ben écoutez, pour l'instant, on est bien, on est à 0 saut. Donc on a pu faire toute cette zone sans sauter une seule fois, normalement. Oh, il y a un Goinfreluma dans ce niveau. En vrai, vu que j'ai assez, je vais le faire. Hein. Je pense qu'il me coûte 50, non? 80! Quoi? Sérieux? Putain, mais à quel moment? Ah mais attends, je suis niqué en plus, je suis obligé de sauter ici. Attends, y a pas des étoiles bleues, là? Putain, tu te fous de ma gueule! Un saut... Ah, et après, y a des étoiles bleues. Bah écoute, on va le noter. Un saut pour switch de boule. Au niveau du Geluma. Putain, fais chier! Sois obligé de sauter sur ça. Alors, est-ce qu'il y a les espèces d'hippopotames de feu ou c'est pas dans ce niveau? Oh. Alors lui, il me le faut absolument. Je pense que le niveau
Le niveau sans ce champignon-là est impossible. Je suis AR60 sur Genshin. Et encore, hein, si je pouvais, je serais probablement plus. Non. Parce que je l'ai atteint il y a un certain temps déjà. Ah, ils aiment bien faire des TP inutiles. Mais bon, c'est joli. Non, c'est vrai qu'il est, il est beau ce monde. Alors là, on a une phase... Ouais. Là, c'est une phase où on n'a pas besoin de sauter encore, je crois. Pas sûr. Hein. Ah, putain. Ah, j'aurais... Putain, y a pas moyen de monter. Je suis obligé de me brûler, là. Après, en vrai, c'est pas grave de me faire brûler. Parce que suffit juste que lui, je le bute pour récupérer mon cœur. Donc à la limite, c'est pas grave. Là, pareil. Voilà. Là. Bon, c'est quasiment pareil. Là, ici, ok. Et c'est la dernière, d'ailleurs. Ok, pour l'instant, on est bien. Merde. Bon, le saut ne compte pas, hein, évidemment. J'ai pas fait exprès. Ah, putain. Ouais, là, je suis obligé de perdre un cœur. Hein. Oh, c'est pas grave. Sauf si j'arnaque le truc. Ouais, non. Bon, bah, dernière phase. Et alors là, la question, c'est est-ce que cette phase est possible sans sauter? Honnêtement, j'y crois pas. Surtout que là, je vais perdre ma vie. Bon, déjà, ça démarre bien. Ah putain, fais chier. Bon, au moins on passe, c'est déjà ça. Ah bah là, je suis obligé de me refaire toucher. Hein. Bon, on verra. Non, je pense que ce niveau est impossible sans sauter. Oh là là là. Le problème, c'est que là, ouais, ça descend. Ah putain. Ouais, si déjà je me fais toucher aussitôt, c'est chaud. C'est impossible. C'est impossible. Je pense que je vais restart le level. Ah bon, là j'y crois zéro. Là j'y crois zéro. Pour moi là faut faire beaucoup trop de sauts et pour moi c'est pas rentable. Donc écoutez, je relance le saut. On va réatteindre le Goinfre Luma pour voir c'est quoi l'étoile du Goinfre Luma. Ah oui, là il y a une étoile secrète, c'est bien ce qui me semblait. On pourra peut-être la faire. Mais j'ai aucune idée de comment on l'a. Quoique pour moi la théorie c'était juste de buter tous les Goombas. Pas de buter tous les Goombas mais de buter tous les... Tous les ennemis roses là qui envoient des boules de cailloux. Donc attends, là tu me dis que je dois farmer 80 fragments d'étoiles ici? À quel moment il y en a 80? Bon, je vais me permettre de sauter, de faire fast ce level. Ah oui, là déjà il y en a beaucoup là. Ah oui, c'est vrai qu'ici il y en a beaucoup quand même. Je crois faut vraiment en louper aucun en fait. Ouais, on peut aller là-bas. Et là, il y a quoi ici? Ah, je crois que ça sera pour une... Je crois que c'est pour l'étoile d'après, ça. Ici, est-ce que on a des trucs? Parce qu'avant, on a vu qu'il y avait des pièces, mais est-ce qu'il y a des fragments? Non, il n'y en a pas. Ah bah, l'étoile d'après, elle sera là-bas, je pense. Mais l'étoile numéro 2, on ne pourra jamais la lancer, je crois. Alors, est-ce qu'on a des fragments ici? Peut-être en bas, non? Putain, mais même pas. Attends, il y a vraiment zéro fragment d'étoile dans ce niveau, c'est une blague? Mais là, j'ai déjà tout pris, quoi. J'ai
Je sais pas, on verra. Là, là j'ai tout pris, hein. Je peux pas en avoir plus. Ah, c'est une blague. C'est une blague. Attends, il m'en manque deux là ou... Attends, il y a... Ouais, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse là, c'est que j'aille récupérer ceux qui sont là-bas. Mais c'est chiant parce que ça me fait sauter pour rien. Attends, c'est pas normal. C'est pas ça quand même. Putain, est-ce que là-bas j'en aurais pas genre loupé deux? Je sais pas. Non, ça me fait chier là de devoir gâcher deux sauts pour ça. Parce que là je fais juste ça. Hein. Ouais, voilà. C'est tout, hein, ça sert à rien, je fais rien d'autre. Hein. Est-ce qu'il y a moyen d'arnaquer le truc pour atteindre directement le goinfre humain? Je crois même pas. Hein. Ah putain. Je vais essayer de tryhard, d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen de réatteindre l'île du goinfre humain sans... Enfin, l'île. Est-ce que c'est laquelle? Goinfre humain, il est là-bas. Ouais, je pense qu'il faudrait que je me fasse toucher par, par de la lave pour ça. Mais... Je sais pas, on va essayer comme ça. Ah! Je pense que c'est possible, mais il faut que je trouve la combine. Alors, on essaye d'aller loin. Non, pas du tout. Ouais, le problème, c'est qu'il me le met vraiment devant moi, quoi. Merde. Ah! Évitez d'aller trop loin, quand même. Merde. Ah non, on va éviter de crever, quand même. Ah, mais attends, quoique... Si je crève, je garde mes fragments d'étoiles. Du coup, problème réglé. Voilà, problème réglé pour revenir sur l'île, il suffisait de crever. Ah mais quoique, j'ai sauté quand même. Dans tous les cas, j'ai sauté. Pour récupérer les derniers fragments. Bon, en vrai, c'est pas très grave. En vrai, c'est un seul saut, mais ça me faisait chier d'en faire un deuxième alors que je savais qu'il n'y avait pas besoin. Eh ben écoute, c'est bien, on joue strat ici. Pff. Aucun souvenir. Ouais, vu la gueule du truc, je serais pas obligé de sauter. Ah, j'adore la caméra. Ouais, vas-y, on va aller là déjà. Ah bah ouais. Je pense que ça c'est une étoile qui est free. Et le seul saut qu'on aura fait, bah ça sera celui du goinfre l'humain. Et encore, il y a un monde où il n'y a pas besoin. Hein. Mmh. Ah merde. Oh shit. Attends, je vais récupérer le 6 vie là. Ah. Est-ce que je le chope si je touche la lave? Ah, ça... Bon, c'est pas grave. Oh. La perspective! La perspective, mais s'il vous plaît! La perspective qui n'aide pas, putain. Ouais, je pense que c'est récupérable, hein. C'est juste la perspective qui m'a niqué parce que j'arrivais pas à me rendre compte. Ah là, la perspective, elle est meilleure. Ouais, vas-y, je vais aller là-bas pour essayer de récupérer le champion. En fait, c'est une sécurité pour moi, ce champignon. Voilà. T'es mort d'une manière débile. Ouais, mais regarde. Merde. Du coup, j'ai pu récupérer le champignon. Ah ah. Et ça, c'est bien. C'est pas grave. Dis-toi, les morts sont bénéfiques hein, dans ce jeu. Genre, se faire toucher...
Et mourir, c'est bénéfique. Je sais plus comment on les tue, c'est forcément avec des fragments. Ah merde, il respawn. Boing. Ouais, typiquement là, tu vois, si je me faisais pas toucher, j'aurais pas pu agripper ce drapeau. Enfin, ce drapeau, cette barre. Est-ce qu'on irait pas en... Ah, quoique la caméra, elle la m'aide pas trop. Ah merde, faut que j'aille où? Je t'en rogne. Eh ben nickel. Eh ben écoutez. Étoile rentable. Je n'ai aucune idée du nom de ce niveau par contre. Bah un seul saut pour switcher de mini planète avec le goinfre luma. Donc gerbe infernale. Putain la gerbe. Donc du coup bah le seul saut qui était nécessaire dans ce niveau c'était pour aller récupérer notre dernier fragment d'étoile. Alors la question maintenant c'est est-ce que le fait d'avoir récupéré l'étoile secrète sur le premier level me débloque le deuxième level? Ça sera la surprise, parce que là j'en ai aucune idée. Ah ça me débloque pas malheureusement. Alors la question que je me pose et je vais regarder sur internet, l'étoile cachée du donjon là, c'est quoi? Grotte du donjon, étoile secrète. Elle est où cette étoile? La chambre secrète des boues. Alors par contre, est-ce que le niveau c'est un niveau aquatique? Ah ouais non, je pense que le niveau vaut pas la peine. Quoique, oh j'ai des doutes. En vrai on va le faire. Donc faut que je lance le... La sorcière du vaisseau fantôme. Donc faut que je lance le premier level. Enfin, ça va être long là de... Parce que là si ça se trouve là, je vais lancer une étoile qui va me prendre du temps à faire. Et je sais même pas si elle est faisable avec peu de sauts. Ah bah d'accord, bon bah ils nous disent... Ah oui, il faut vraiment que je me la retape en entier. Spoiler, spoiler, spoiler. Spoiler, spoiler, spoiler. Bon, je vais pas me faire chier. Spouet, 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 spouet. Paf. Le loup. Donc maintenant qu'on est là. Ouh, un Kamek, attention. Paf. Donc maintenant, faut aller dans l'eau. L'eau est là. L'eau qui est là, bien sûr. Et alors après, je sais absolument pas ce que je dois péter. Parce que je dois péter un truc, mais je ne sais pas quoi. Alors, après j'ai cru comprendre qu'il fallait que je pète quelque chose. Attends, par contre, s'il faut péter l'endroit où il y a les bombes, j'ai le seum parce que j'ai essayé de le faire et j'avais pas réussi. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? J'avais déjà essayé de le faire pourtant. Équipez-vous de la carapace, repérez l'épreuve entourée de mines et faites exploser l'une d'entre elles. Ma gueule, mais je l'ai fait? Je l'ai déjà fait? C'est une blague, je l'avais fait? Je l'ai peut-être fait dans le deuxième level, pas le premier. C'est peut-être pour ça. Ah, mince. Oh merde. Oh c'est chiant, par contre là je viens vraiment de perdre un cœur pour rien. Non. Attends, faut que je l'éloigne lui, il me gêne. Putain, pour une fois, qu'en tournoyant sur un mur, je peux atteindre une hauteur. Hop. Ok.
Alors, on sait que je suis là legit, mais pour la culture, je vais regarder ce qu'il y a par là. Il n'y a rien. Eh ben écoute. Voilà, avant j'étais là. Legit. Tac. Ah putain. Quoique, est-ce que... Attends, Attends, en vrai ce bout il me fait chier. Attends, normalement, si la théorie est exacte... Ah non, lui, il est pas... Il peut pas m'emmener. Putain. Elle est vraiment... Cet oursin est vraiment chiant, genre. Mais là, on est peut-être face à un level où j'ai pas besoin de sauter, quoi. Je peux pas monter, là? Je pense qu'en utilisant cet oursin, mais vraiment dans le coin, là, il y a moyen qu'il me bump passer. Ce serait pas la première fois que je gagne de la hauteur grâce à un oursin. Ah merde, putain. Ok. Merde. Putain. Ouais, le bout, faut que je le regarde. Bon, bref, on a vu que c'était possible. Oh putain. Ça me ramène là, les gars. Les gars, j'ai pas que ça à foutre. Bon, pire, ça me fait farmer les fragments un petit peu. Bah écoutez, on va refaire ce qu'on vient de faire. On va y retourner. Merde. Ouais, 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 ouais. Macron. Macron explosion, bien sûr. Hein. Paf. Mais ouais, c'est bizarre, dans le deuxième level, eux, des pétés, ça change rien. Bah écoutez, on a vu. Ici, là, on peut l'atteindre de façon legit. Mais évidemment, je dis ça et je rate. Bon, je l'ai déjà fait une fois. Je vais pas me faire chier à le refaire. Parce que je vais juste perdre des cœurs pour rien. Ici, hop. Avant, on a vu que je pouvais atteindre ici de façon legit sans sauter. Ici. Ça se trouve, je peux monter comme ça. Attends, faut que j'attire le bout le plus loin possible. Et voilà, très bien comme ça. Allez. Voilà. Merde. Ok. Quoi? Oh putain, t'es sérieux? Attends, on revient là. Tac. Et là, c'est quoi? C'est un trou pour la lumière. Vas-y, viens, saleté. Oh, merde. Attends, ah oui, faut vraiment que je l'amène là. Ah ah! Ok. Donc maintenant, bah, on refait pareil avec l'oursin. Merde. Attends, en vrai, est-ce que le... Allez. Voilà. Ah oh, putain, faut que j'active ça. Bon, attendez, on va dire que j'ai réussi mon coup. Donc tac. Ah. Ouais, là, je pense qu'il faudrait que je me refasse toucher par l'oursin, mais j'ai plus rien, quoi. Mince. La question que je me pose, c'est est-ce que depuis ce mur-là, je peux atteindre l'étoile? Ah, faut pas... Oh, putain. Ouais, est-ce que... Ah non, je pense que c'est impossible. Bah sinon, faudrait que je me refasse taper par l'oursin, mais j'ai plus de pièces. J'ai plus de pièces à prendre. Ouais, là je vais pas assez loin. Ah putain, dommage. Bon, en vrai c'est un seul saut, hein, ça va. Allez, tant pis. Ça nous fait un saut. C'est déjà bien.
Du coup, on était dans la grotte du donjon. Bah, grotte du donjon, on aura fait tous les niveaux, du coup. Ça va, hein. Et il nous reste plus que 5 étoiles. Donc, on a fait l'étoile secrète. Donc, à la fin, bah, une étoile. À la fin, un saut pour l'étoile. Eh bah, écoutez. Bah, maintenant, ça va être la recherche aux étoiles. Lesquels on peut faire. Bah pour moi, il y a, la plage Saladier, quoi. Parce que ici, bon, on va checker, hein, mais je sais que c'est même pas la peine. Bon, là, on sait qu'on peut pas. Là, j'ai déjà tout fait. La flotte armée, on va la checker. Mais pour moi, c'est comme la forteresse rocheuse. Ça vaut vraiment, mais vraiment pas le coup. Oh! Attends, dans le compte de... On est à combien, là? On est à 79. Je vais le mettre à jour, excusez-moi, j'ai oublié. Excusez-moi. Là, ça fait mal? Peut-être, je sais même pas. Oh oui, ça doit faire mal, vu la gueule du truc. J'ai comme l'impression que je suis obligé de me faire... de sauter, là. Sauf si je peux arnaquer le truc. Non. Bon. Eh bien, un saut au tout début. Deux sauts. C'est mort, tu penses? Ouais, je pense... Non, mais dans celui-là, je savais qu'il fallait faire beaucoup de sauts. Bon, on est à deux. Mais après, le problème, c'est la phase auto-scroll. Ah ouais, non, mais regarde. Ah bah oui, bah c'est mort. Hein, parce que ces Goombas, faut leur sauter dessus. Ouais, c'est mort. Ces Goombas là, faut leur sauter dessus. Moi, c'est même pas la peine. On fait deux sauts, là. Là, je pourrais gérer. Je stun les trois Goombas. Et je prie pour qu'ils soient à côté. Et que j'enchaîne les trois sauts dessus. Et après que je saute dans le tuyau. Donc là, t'es déjà à trois sauts. Mais après, le... De... J'ai pas de safe state, quoi. Donc celui-là, c'est même pas la peine pour moi. Bah, on va regarder dans la salle des machines, hein, si je trouve l'inspiration. Alors, est-ce que dans la salle des machines, il y en aurait un? Bah là, il y a la comète, mais on a déjà fait, hein, la dernière fois, c'est impossible. Eh, lui, Gigastonk, là, zéro sur celui-là. Boucle Océane et Gigastonk également. Et le coffre à jouer, bah pareil. Le coffre. Un niveau que j'adore en speedrun, mais il faut énormément sauter. On va repasser par partout, hein, et on va finir par la cuisine, parce que pour moi la cuisine c'est le dernier monde que je peux faire de façon safe. Ah putain, on peut courir là dessus je savais même pas. Bah ici je crois que j'ai tout fait, hein. On va regarder, mais je crois que j'ai tout fait dans la terrasse. Ouais, la terrasse c'est le seul monde que j'ai 100%. Il m'a mis très bien, hein. Parce que je crois que les niveaux là de... Les niveaux que j'ai fait de la salle de bain et de la terrasse, tous les levels ont entre une et deux sauts par étoile. Et après, bah ici, dans ce niveau-là, on a notre premier niveau, le niveau des limbes, qui est le premier niveau du jeu, on n'a pas besoin de sauter. Alors ici, bah, la forteresse rocheuse, on sait que c'est mort, et la poussière d'étoiles. Que la poussière, la forteresse rocheuse, c'est un level où t'as un autoscroll. Et juste le début du level, avant d'atteindre l'autoscroll, tu as 5 sauts où tu n'as, mais vraiment pas du tout le choix. Tu es obligé de faire ces 5 sauts-là. Donc c'est même pas la peine. Et la poussière d'étoile, si j'étais un robot, j'aurais pu le faire. Parce qu'il y a une technique que j'ai réussi à faire au bout de 5 minutes, mais qui est juste de la pure chatte. Où, faut, où tu dois te démerder avec ton curseur pour déplacer un truc qui va se déplacer vers Mario pour pouvoir le récupérer et après l'utiliser pour te projeter, mais malheureusement ce truc là c'est le boss araignée, si tu vois de quoi je parle, le boss araignée dégueulasse là, mais c'est pas possible. J'ai réussi à faire le truc une fois et il faudrait que je le fasse à chaque fois. C'est même pas possible, humainement c'est pas faisable. Donc ce boss là c'est mort.
Ici, on a le volcan de glace. Le volcan de glace que j'ai pas trop tryhard. Ah, je l'ai débloqué, lui! Pourquoi je l'ai débloqué? Putain, mais c'est la ruche d'escalade. C'est le meilleur level du jeu pour farmer des fragments d'étoiles. Ah bah putain, bah si j'avais su. Si j'avais su que je l'avais débloqué. Mais pourquoi? Pourquoi je l'ai débloqué? Ça veut dire faudra que je regarde dans la salle des machines au cas où parce que... Et dans la cuisine peut-être? Peut-être que je vais débloquer ce niveau. Bah ouais, mais ça c'est un niveau où il n'y a pas besoin de sauter. Il n'y a jamais besoin de sauter dans ce niveau. Enfin, je crois. Mais dans tous les cas, c'est un niveau à fragments d'étoiles, donc il est le bienvenu. Ouais, parce que là, tu fais hop, tu récupères l'abeille. Après, oups! Et voilà. Voilà, niveau fini. Bon, après, ça, je considère ça comme des sauts. Donc, faut vraiment que je me laisse me décoller. Après, si j'ai un bête de timing, ça devrait aller. Ouais, ça a l'air d'aller quand même. On peut faire des grosses distances comme ça. Bah surtout si t'as ce genre de truc. Pardon. Alors, aucune idée de si c'est utile d'aller là. Attends, j'ai sauté, j'ai entendu. Ah non, en fait, c'est le saut de Mario. Ah, ok. Je savais pas qu'il faisait ce bruit là. Eh ben écoute, on se... Oh, les fragments d'étoiles. Giga Omega Stonks. Oula. J'avais totalement zappé qu'il y avait des météorites. Ah, faudra que je fasse gaffe quand même. Le niveau n'est pas si free que ça. Ok, pour l'instant on est toujours à aucun saut. Ah ouais, non mais les fragments d'étoiles c'est criminel hein. C'est criminel les fragments d'étoiles qu'on a dans ce niveau. Eh ben écoute, ce niveau est vraiment la bienvenue hein. Ce level est vraiment la bienvenue. Ah, on peut pas gagner tant d'auteur que ça quand même hein. Merde. Arrête de te faire tes cercles. Bon, vu que c'est... Est-ce que je peux rusher? Ouais, à la limite, ça va. Non, ça devrait aller, hein. Saleté de scarabée. Merde. Oh. Merde. Oh putain. Ah, mais le nombre de fragments d'étoiles. Mais ce niveau-là, habituellement, on le fait pas lentement, ce niveau. Normalement, on le fait effi... Merde, quoi? Putain, pourquoi je me suis décroché? Mince. Bon, j'ai sauté, mais on est d'accord que c'est pas grave. Alors, c'est là où j'ai un doute. Ah, quoique. Non, grâce aux pièces, ça passe. Grâce aux pièces, c'est passé. Est-ce que ça passe? Quoi? Pourquoi? Putain, l'enculé, il s'est retourné. Je m'y attendais pas. Mais non, putain. Enfin, tout ce que je dois remonter. Bon, je me permets d'aller vite, hein. On va retourner là où j'étais. Et oui, c'est pour ça, ce niveau-là, on peut le faire hyper vite. C'est pour ça, c'est hyper frustrant pour moi d'aller à cette vitesse. Parce qu'en fait, ta gravité, elle est considérée comme ça. Du coup, tu peux faire des grosses distances très rapidement. Là, je suis pas en mode gravité normale. Bon, attends, du coup, j'étais ici. Ah, putain. Ok, nickel. Ah, non!
Je suis vivant. Ouais, je pense que là j'aurais dû aller chercher l'étoile directe. Ah putain. Encore une fois, ça va qu'on peut faire ça, mais... Alors j'étais où? J'étais là-bas. Ah mais là t'es en full stress ici. Ok. Alors est-ce qu'on peut... Ah putain. C'est dur hein. Je sais pas comment je pourrais faire ici. Déjà, on va se remettre un peu en vie. Ah, le problème, c'est qu'elles sont trop traîtres. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que dès que je m'accroche, je sors. Ah mais non, c'est impossible. On n'a pas le temps. En fait, dès que... En fait, faudrait que je sorte par le côté. Non, ça peut peut-être passer, mais faut que je sorte par le côté. Allez. Allez, c'est un niveau sans saut, ça. C'est sûr. Faut juste réussir. C'est là que c'est bien que ce soit un niveau à fragments d'étoiles et que j'ai beaucoup de vie d'avance, parce que ça veut dire que je peux crever tranquillement. Pas très grave. Alors on va tester la théorie. Donc là, depuis ici, à chaque fois... Voilà, débarrassé déjà. Ah, fait chier. Non, faut que je passe par l'intérieur. Mais dans tous les cas, faut passer par un côté. Ah, mais attends... Je peux pas genre juste les spammer de fragments d'étoiles comme ça, arrête de me faire chier. Ah ouais, ça marche. Bah écoute, ça y est. On a trouvé la solution. Bon écoute, hein, c'est pas plus mal. Hein. La solution soit aussi simple. Fallait juste leur tirer dessus avec des fragments d'étoiles. Oh putain, tu te fous de ma gueule! Putain, et je me fais quand même toucher. Ouais, le problème, c'est qu'il y en a deux qui te gênent, quoi. Il n'y en a pas qu'une qui t'empêche d'avancer, il y en a deux. Ouais, j'ai pas des fragments à l'infini non plus, quoi. Bon, heureusement, j'en ai beaucoup. Mais... Ouais, ça a passé. Merde. Ah, mais attends, je peux pas faire le bug, là. Non, j'ai raté. Non, il y a un moyen d'aller tout en haut. Ah non, faut d'abord que je tournoie. Ah, j'y arrive pas. Normalement, il y a un glitch qui est un glitch que j'ai déjà utilisé dans le speedrun. Attends, je vais juste revenir ici. Qui permet de gagner beaucoup d'hauteur d'un coup. Enfin, d'aller très très vite en volant avec l'abeille. Et tu peux atteindre très rapidement le haut du level comme ça. Mais là, bah, j'y arrive pas. Bon, écoute, on est reparti. Ah, le problème, c'est qu'on est vraiment trop lent, quoi. Yes. Bon ok, j'ai réussi sans le faire. Non, c'est passé de peur. Donc du coup là on a fait quoi?
Putain, je l'ai eu de pas beaucoup. En plus, je l'ai eu sans faire ce que je voulais faire. Ah oui, on est dans la chambre. Alors, la chambre, elle est où? Elle est là. Alors, dans mon Excel, ajoutez une ligne en dessous. Allez, 56 étoiles. Allez, plus que 4. Ouais, c'est confirmé, on va faire Bowser. Ça veut dire ce soir, c'est le dernier stream sur Mario Galaxy. Vu que je vais avoir le Bowser ce soir. Donc c'était la ruche d'escalade. Ruche d'escalade. Donc maintenant, il nous manque 4 levels à gratter. 4 étoiles à gratter. Bah, il manque plus que la cuisine. Ouais, bah malheureusement, on est obligé de faire la plage Saladier. Mais... attends, il n'y a pas moyen de... non, il n'y a pas moyen de voir les étoiles que j'ai, là. Non, bah de toute façon, on a vu. Les étoiles qui manquent. Dans la salle de bain, il me manque la forteresse rocheuse, qui est... minimum 9 sauts, je crois. 8 ou 9 sauts, c'est même pas la peine. Et c'est le cas de tous les niveaux. Dans la cuisine, on a la plage Saladier où il y a 4 sauts pour la première étoile, donc ça vaut le coup. Putain, en vrai, là, je regarde... ouais, non, je me disais, la grotte du donjon numéro 2, ça m'a coûté 4 sauts, mais derrière, le troisième m'en a coûté que 3, donc en vrai, ça va. Le troisième, pardon, m'a coûté 0, donc ça vaut le coup. La terrasse, bah, la terrasse, on l'a déjà finie. Attends, on va aller là-bas pour voir... donc terrasse, j'ai déjà fini. Salle de bain, c'est même pas la peine. La cuisine, on va y aller. La chambre, on a vu, c'est mort. La salle des machines, c'est mort. Et le grenier, bah c'est mort. Ouais, donc il me reste plus que la plage Saladier. C'est le dernier level que je peux faire pour l'Annie%. Donc ça veut dire que ça va me coûter 4 sauts. Mais je vais le faire rapidement le level. Je vais rester jusqu'à la fin. Oh, merci beaucoup, Tesgat. Bah là, du coup, j'ai déjà fait le niveau qu'on va faire maintenant, donc je vais me permettre de le faire rapidement. Putain, et si ça se trouve, je vais le débloquer, ce petit bâtard. Hein. Et je sais même pas ce que c'est. Si ça se trouve, il est intéressant, ce niveau, et je le savais même pas. Mais là, je sais pas. Est-ce qu'il y a un niveau que je regrette d'avoir fait dans le tas? Là, je me dis, le bois d'automne numéro 3, j'aurais pu ne pas le faire. Mais est-ce qu'il m'a permis de débloquer d'autres étoiles derrière? Je sais pas. Donc bref, donc là, on est de retour dans la cuisine. Elle est où, la cuisine? Elle est là, dans mon Excel. Insérer une ligne au-dessus. Donc du coup, on est à la plage Saladier 1. Ah ben, je l'ai déjà noté, la plage Saladier 1. Bah du coup, on sait, hein. 3 sauts pour atteindre l'étoile et un saut pour récupérer l'étoile. Donc vu que je l'ai déjà fait ce niveau, je vais me permettre d'aller vite. Pour ne pas avoir à m'embêter. Ah oui, c'est vrai, il faut faire un triple saut ici. J'ai raté! Putain! Attends, il y a un monde où c'est faisable comme ça. Ah! Et là, ça marche. Bon. Bon, normalement, on est censé atteindre cet endroit-là en récupérant des morceaux d'étoiles de téléportation qui nous amènent directement ici. Donc, normalement, on n'a pas besoin de sauter. Hein. Je l'avais déjà fait la dernière fois. Bon, t'étais pas là, mais j'ai un peu la flemme de le refaire. Bah, ici, j'ai essayé par tous les moyens, mais j'ai pas réussi à remonter ici. J'ai jamais... après, je peux peut-être réessayer, mais... ouais, non, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de vitesse. Attends, j'ai pas sauté, là? Est-ce que j'ai sauté? Ah si, j'ai sauté. Attends, je vais peut-être voir si ça se trouve. J'ai pas sauté, j'ai cru, mais j'ai pas sauté, peut-être. Ah si, j'ai dû sauter. Bon, bref. Du coup, ici, on a un premier saut... pour atteindre ça. Après, on a un deuxième saut pour juste aller là-bas. Merde.
Bon, là, j'ai raté. Mais j'ai réussi la dernière fois. Bon, ça va, le jeu, il est cool, il me ramène ici. Mince. Bon, alors, du coup, on a fait un tout premier saut là. Ouais, là, ça va être plus simple. Voilà. Ici, je crois que j'avais essayé, hein, mais... Ah, quoique. Oh, quoique. Est-ce qu'il y a moyen d'arnaquer? Merde. Ah, putain! Chier. Est-ce qu'il y a moyen d'arnaquer grâce à l'arbre pour choper ce truc? Je ne sais pas. C'est vrai que la dernière fois, j'ai pas essayé de faire là ce que je fais. Bon, là... Oh. Oh. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'arnaquer? Est-ce que je peux faire un saut mural sur cet arbre? Si je peux faire un saut mural sur l'arbre, ça veut dire que je peux le choper. Ah, j'ai pas l'impression. Attends, je vais essayer. Oh putain, on peut. On peut faire un saut mural sur l'arbre. Ah bah, c'est peut-être possible d'atteindre ça alors. Ah non, beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. C'est peut-être possible, mais je sais pas si je vais me faire chier à tryhard. Hein. Ah! Dommage. Y'a pas un truc là qui peut me pousser dessus? Toi là. Oh, attends. Je peux peut-être sauter sur ce pingouin. Grâce au saut mural, je peux peut-être le choper, ce pingouin. Merde. Oh, pop, 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 pop. Ça, c'est possible. Parce que le pingouin, il est dans la bonne direction, alors que lui, non. Oh, c'est possible. C'est très possible. Ah, faut que je chope le saut mural, mais si je le rate, je tombe. Enfin, y a pas de saut mural ici? Il est que de ce côté? Ah putain. Ah non, le problème... Ah putain, si l'angle de l'arbre c'était pas ça, j'aurais peut-être pu... Non. Non, c'est pas possible. Putain, fais chier. Y'a pas un autre moyen? Ouais, mais jusqu'au sommet. En faisant des sauts muraux? Ah bon? Avec quoi? Là, on est d'accord que là... Parce que là, sinon, ce qu'il faut que je fasse, c'est... Là, je saute là-dessus et après, je saute là-dessus. Parce que là, je crois pas qu'ici, on puisse monter. Bon, dans tous les cas, là, on a fait un saut là pour aller là-dessus et un saut là. Donc là, je suis à 2. Ah ouais, mais là, dans tous les cas, il m'en faut un troisième, en fait. Attends, comment j'ai fait la dernière fois? Ah, ok. Ouais, voilà, 3 sauts. Ouais, non, on n'a pas le choix, hein. Bah du coup je note que je viens de faire ce que je viens de faire. Donc on a 4 sauts au compteur en plus. Donc on atteint les 83. Aïe aïe aïe, on dépasse les 83. Parce que là du coup on vient de faire 3 sauts pour atteindre l'étoile. Et bah pour récupérer l'étoile on est obligé de sauter. Après peut-être pas hein. Oh attends attends attends. Attends, attends, attends. Si j'arrive à choper le saut mural sur ça... Non, je crois pas. J'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Ce que je vais faire, c'est monter le plus haut possible. Et derrière, en tournoyant, d'essayer de choper cette petite branche. Parce que si je chope cette petite branche,
C'est peut-être possible. Ah. Non, sinon, faut que je fasse un saut mural. Genre là, je suis là. Ah ouais, mais je glisse. Attends, si je bouge plus, je glisse. Oh merde. Oh, oh, oh. Ok, non, c'est possible, c'est possible. On peut économiser ce saut. Non, j'étais dessus. Mais non, j'étais dessus. J'avais réussi. Putain, on peut peut-être économiser le saut de l'étoile. Je pensais pas. Bon, là, on a vraiment pas le choix. Bon, ça, ça fait quoi? Ah. C'est vrai. C'est vrai que je l'avais déjà fait la dernière fois pour voir ce que ça faisait. Bon, on se fait pas chier comme ça, au moins, c'est rapide. On revient ici efficacement. Alors. Allez, c'est possible. Oui, là, ça passe. Évidemment. Oh, quoi? Ah, putain, mais on glisse. Ok, dès que je suis sur la feuille, il faut que je continue de tournoyer. Parce qu'en fait, quand tu tournoies, ça t'empêche de glisser. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise, par exemple, dans le royaume des abeilles. Voilà. Du coup, maintenant que je suis là... Ouais, faut que je prenne cette palme. Ah, ah non! C'est pas possible. Bon, attends. Vu que j'ai réussi une fois, maintenant... Allez. Ah, putain, ça passe pas. Ça dégoûte, je crois que ça suffit pas. Après, il y a le saut mural. Si j'arrive à choper ce saut mural, c'est possible, mais bon. Ouais, non, il n'y a pas de saut mural à faire. Ah ouais, je suis vraiment loin. Putain, dommage s'ils avaient foutu un pingouin quelque part. Ah, dommage. Putain, je suis deg parce que là... Là, ça aurait pu être possible. Ouais, non, y a pas de... Ah, putain, y a rien à faire, fais chier. Ah, je suis deg. Bon, tant pis. Ah, je suis deg, j'y croyais. Bon, bah, ça confirme les 4 sauts pour ce niveau, du coup. Qu'est-ce que je viens de faire? Dans mon truc, là. Jardin d'invento, buzzer, cuisine. Ah, voilà. Je cherchais la ligne. Ah, je suis deg. Bon, allez, 3 étoiles. Donc, maintenant, si tout va bien, je débloque le goinfre luma aussi. Eh ouais. Ouais, je pense que j'aurais vraiment dû récupérer cette étoile plus tôt. Parce que là, je débloque le goinfre luma, qui selon moi, a une étoile où on n'est pas obligé de sauter. Je débloque cette galaxie. Oh putain, je croyais que c'est... Mais attends, c'est quoi le goinfre luma? Je croyais que ça, c'était l'étoile du goinfre luma. Ah bah là, on a une étoile qui est free là-dedans. Mais déjà, la plage saladier numéro 2, elle est free. Examen de natation. Spouep. Bon bah là c'est juste que t'as un pingouin qui a une carapace en or et il faut récupérer la carapace. J'ai une question, tu t'y connais en clavier? Pas du tout. Absolument pas. Genre par exemple moi mon clavier, je cherchais un clavier qui était fin. Et USB. Parce qu'avant, j'avais un clavier Bluetooth et il marchait plus très très bien. Etc. Ah merde, mais attends, il a pas la truc. Merde, j'étais persuadé que c'était eux qui l'avaient. Mais attends, elle est où là? Elle est où la carapace? Ah ouais, ils l'ont pas? Bah elle est où? J'étais persuadé que c'était eux qui l'avaient. Ah merde, attends, d'abord faut que je parle. Si, je me suis déjà fait avoir.
Avant, faut parler au papa pingouin. Et après, il te dit, ah oui, il faut aller voir mes bouts de chou, ils ont... Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, et là, maintenant, la carapace, elle est là. Voilà. Mince. D'ailleurs, l'étoile secrète... Non, l'étoile secrète, je crois, elle est avec le niveau qui suit. C'est pas celui-ci. Bonsoir. Ah, je ne pensais pas que tu y arriverais, tiens. Et donc du coup, pourquoi cette étoile est free? C'est parce que bah là, faut juste sortir de l'eau avec une carapace normalement. Quoique là, j'ai des petits doutes. Ah bah je l'ai encore. Bon bah c'est bon. C'est bon, c'est free. Là, il y a juste à sortir de l'eau et à bien gérer. Bon, j'ai raté, mais on voit que c'est clairement faisable. Bon, attends, à la limite, un petit coup. Attends, est-ce que la carapace, elle est encore là? Ou est-ce qu'il y a une carapace verte, peut-être, quelque part? Ah mais non, la carapace... Merde, la carapace, elle a carrément despawn. Ah merde. Attends. Ah merde. Comment je pourrais faire sans tricher? Genre vraiment legit, tu vois. Attends, on va dire là j'ai... Oh. Là on va dire que j'étais là. Quoi? Ok. Je me disais là quand même. Et il me semble qu'on peut passer là-dessus, non? On sait même pas le passer comme ça. Ah, quoique, attends. Donc maintenant qu'on est là, on peut choper cette liane. Oh attends, est-ce que depuis en haut... Ah ouais non, c'est comme avant, on pourra pas. Bah maintenant faut que je me démerde pour choper la liane. Et bah voilà. Alors est-ce qu'il y a moyen de choper direct l'étoile de cette façon? J'doing. Oh putain. Oh, attends. J'ai envie de le faire comme ça. En vrai, je la prends legit l'étoile comme ça au moins. Après, ça veut dire qu'il y a deux manières. Ah, ça s'est pas joué de grand chose, hein, malheureusement. Le fameux pixel. Attends, j'y retourne. Ouais, sinon, je le fais comme ça. Hein. Je fais des cercles. Oh putain, mais c'est hyper dur de viser comme ça. Non, mais il y a deux manières pour cette étoile-là. C'est soit tu utilises la liane... Soit tu utilises la carapace dorée comme j'ai essayé de faire, mais bah du coup j'ai raté. Non, sinon l'autre que je vais faire, je pense, ça va être de rebondir sur ce pingouin. C'est une vanne. J'y arrive pas. J'ai vraiment envie de réussir, mais vraiment quoi. Là je veux pas juste tricher un peu comme d'habitude. Là je veux réussir. Je veux montrer que c'est faisable. On sait que c'est faisable, mais j'ai vraiment envie de réussir. Merde. Non. Voilà. Maintenant qu'on est sur le pingouin... Boing. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Et bah du coup, plage saladier numéro 2... Bon, j'ai galéré un peu plus que prévu. Mais c'est passé. Donc sortir de l'eau avec carapace dorée pour l'étoile ou utiliser liane et sauter sur pingouin puis étoile. Voilà, il y a deux manières de faire ici. Et bah maintenant ça va être le tryhard pour voir quel level est le plus rentable.
Mais là, quand même, je regarde dans la liste des niveaux que j'ai fait. Il y en a que j'aurais pu ne pas faire. Genre là, je regarde la troisième étoile du bois d'automne. Je n'avais aucun intérêt à la faire parce qu'elle me coûte 3 sauts. La grotte du donjon numéro 2, elle valait le coup. Vu que ça me débloquait la grotte du donjon 3. Et après, il y a quoi comme niveau qui servait à rien? Ouais, je vais faire l'île flottante. Je vais le faire, t'inquiète. Mais là, en fait, le truc, c'est que selon moi, la plage Saladier... attends. Ah bah si, c'est ça. Bah là, faut que je fasse l'étoile secrète. Attends, non, c'est la plage... Oh, attends, j'ai un doute. L'étoile secrète de la plage Saladier, c'est là où on est en mode fleur de glace? Ou est-ce que c'est là où t'as les twumps, etc. qui donnent après la comète? Je sais plus. Mais bon, pour moi, l'île flottante, l'étoile verte de l'île flottante, pour moi, il y a besoin d'un saut maximum, voire zéro. Et c'est un niveau que je voulais faire. Et ouais, là, je regarde un petit peu quel niveau j'aurais pu ne pas faire. Ouais, la comète de la grotte du donjon, ça me coûte 3. Ouais, et encore. L'île sablonneuse, mais l'île sablonneuse, ça valait le coup, et en fait, ça m'a permis de débloquer le reste derrière. Ouais, il n'y a pas tant de niveaux que j'aurais pu ne pas faire. En vrai, ça va. Le boss final, t'as beaucoup de sauts à faire, ça va être dur. Ouais, mais écoute, on n'a pas le choix. Déjà, je sais que Bowser, on n'a pas besoin de sauter. Pour battre Bowser, tu n'as jamais besoin de sauter. Donc on verra. Mais bon, du coup, nous, on est ici. Après, c'est vrai que j'ai le goinfre luma. C'est vrai que j'avais le goinfre luma où j'aurais pu gratter, je pense. Alors là, attends, faut que... Ah oui, c'est vrai, faut récupérer les... Oui, voilà. Faut récupérer les billboles d'eau. Pour le faire péter là-dessus. Vas-y! Explose! Oh putain, j'ai cru que ça allait pas passer. Mais non! Alors c'est là où ça va être chiant si je me rate, parce que si je me rate, je retombe dans l'eau. Hein. Oh! Oh là, je suis dans la merde. Attends. Ah merde! Attends, je suis obligé de sauter ici. Sinon, je peux arnaquer le truc et utiliser les billballs pour pouvoir monter ces plateformes. Ah merde, ça passe pas. Ah merde. Oh, ça je ne pensais pas. Ça ne passe pas. Parce que sinon, quelque chose que je peux faire, c'est directement un long jump là-bas. Mais ça veut dire qu'on fait un saut. Mais attends, mais genre là, ça passe pas. Putain, je suis... Ah non, là je suis Keblo. Putain, je suis trop deg, je savais pas que c'était pas possible ici. Putain, j'étais persuadé. Bah ouais, sinon ce que je peux faire, bah c'est un long jump comme je l'ai dit. Mais après le problème c'est que l'étoile, je crois qu'il faudra que je saute. Bon, sinon on va tester ma deuxième théorie, c'est d'utiliser les billballs pour monter. Ah putain, il me touche pas, tu te fous de ma gueule. Attends, pour la culture, il y a quoi à droite? Il y a rien. Ouais, je pense que je vais faire le long jump. Hein. En fait, je sais pas du tout si c'est possible là ce que je vais faire. Attends, j'aimerais bien tester le billball. Ouais, faut vraiment que je l'amène plus loin. Tac. Vas-y. Alors. Ah non, on peut pas monter. Eh bah tant pis, va pour le long jump. Oh, du tout de ma gueule. Bon, du coup, si on était normal. Bon, là, j'ai raté. Mais je pense que je vais retourner en arrière, du coup. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vais retourner en arrière.
Donc on est là. Ouais, c'est juste, j'ai raté mon coup, malheureusement. Allô, allô, allô. Ça se trouve, cette étoile, elle vaut même pas le coup. Hein. Après, j'aurais vraiment kiffé le faire, le Goinfreluma. Allez. Alors, moment de vérité. Est-ce que je peux me démerder pour attirer un Bilboul pour peut-être me caber sur l'étoile? Venez sur moi! Venez! Aimez-moi! Putain. Ah. Est-ce que toi, tu peux me pousser sur l'étoile? Bien, tu ne sers à rien. Donne-moi ta vie. Ouais, ouais, ouais. Je peux peut-être me démerder d'ici pour attirer ce Bilboul. Allez. Spawn! Putain, mais ils veulent pas. Hein. Ah, il veut pas, hein. Voilà, il me fait spawn celui qui est là-bas. Alors, est-ce que là, c'est bon? En fait, ce qu'il faudrait que je... c'est que j'en attire deux, à la limite. Mais je sais pas si ça... si ça fonctionne. Bon, écoute. Tant pis. Bon, par contre, le level qui suit, c'est... Je sais qu'il est pas... il est pas possible. Donc, je vais pas me battre. Et bah du coup il nous manque plus qu'une seule étoile. Hein. Et le problème c'est que je sais pas si... Donc c'est quoi, c'était île flottante? Ouais c'est l'étoile S. Hein. C'est l'étoile secrète. Donc deux sauts. Un jump long pour atteindre l'étoile. Plus un saut pour l'étoile. Donc on a actuellement 85 sauts. Par contre, c'est génial parce que j'ai le sub 100. On faut... J'ai le sub 100. Alors la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que la plage Saladier est plus intéressante que le Goinfreluma? Si cette étoile-là, j'ai besoin que d'un seul saut pour la faire, bah c'est bien. Et voilà, oui, c'est celle-là. Ok, celle-là, on n'a pas besoin de sauter pour moi. Je vois vraiment visuellement là, comme ça avec le level, je vois pas à quel moment on aurait besoin de sauter. Putain, allez, plus qu'une étoile. Ça a été un long chemin, mais on aura réussi. Bonsoir. Bon, l'étoile secrète, c'est même pas la peine. Hein, vu qu'il y a, je sais qu'il y a plein de sauts à faire. Donc l'étoile secrète, je vais même pas la faire. Alors c'est juste ici où il y a un monde où je dois sauter. Ah putain. Bon, vous, vous allez pas m'embêter bien longtemps. Alors est-ce qu'il y a un moyen d'arnaquer le truc? Peut-être que elle peut me bump pour mon... Ouais non, non mais là dans tous les cas je suis obligé ici. Ok. Merde! Oh putain, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais mais de toute façon, est-ce que j'avais un moyen de monter? Ouais je pouvais pas de toute façon, j'étais obligé de faire ça. Bon bah écoute. Un saut dans la grotte des chauves-souris. Et moi, il y a l'étoile du Goinfreluma. Hein. J'aimerais bien faire cette étoile quand même. Parce que je sais pas. Hein. Bon, là, on va... Oh! Si, si, ça doit être faisable, ça. Ça doit se faire.
Bon, je me permets de faire ce saut-là pour récupérer le one-up. Ah, j'ai 33 vues. Bon, ça va. Oh! Run for your life! Alors là... Ouais, et après j'ai pas le choix. Après faut faire le tour. Ouais, là je sais pas c'est quoi le plus rentable. Merde. Ah, attends, mais je peux monter? Ah bah. Putain, la caméra là je l'aime pas. On peut pas. On ne peut pas faire de saut muraux, tu te fous de moi? Attends, premier degré là, je ne peux pas faire de saut muraux ici. Putain, c'est une blague. Bon, attends, on va aller un petit peu vite. Donc là, là je suis là. Là j'ai fait ça. Mais en vrai, ça me sert à rien. Ça sert à rien que je fasse ça. Ici. Est-ce que je peux monter sur ça? Oui, on peut monter. Alors maintenant... Bah ouais, mais ça sert à rien ce que je fais. Là, ça sert à rien, je suis bloqué dans tous les cas. Si on peut pas faire de saut. Ouais. Ouais, on vient de voir, j'ai glissé. Et même là-dessus, je glisse forcément. Si j'ai même pas l'occasion de tester. Oh putain, me fait chier. Putain, ça dégoûte. Bah, je pense que je vais aller faire le goinfre l'humain. Putain, mais je pensais. Mais attends, mais y a vraiment pas de saut de mur. Ah ouais. Putain, me fait chier. Bah, ça veut dire là, je dois faire un saut ici. Un saut ici et un saut pour l'étoile. Donc, ça veut dire trois sauts. Je pense qu'il y a moyen de. Je pense que c'est possible que le goinfre luma il est peu de saut. Les goinfre luma faut rarement sauter. Bon, je me permets d'aller un peu vite. Alors, parce que du coup, si tout va bien. Oh putain, je me souvenais pas. Putain, j'avais oublié qu'il y en avait un deuxième. Oh oui, je vais aller un peu vite, bleu. C'est pas grave. Chose qui arrive. Je peux pas aller directement là-bas? Non, on ne peut pas. Ah là là, 10 ans plus tard, il est toujours sur ce niveau. Mais ce n'est pas que le cas avec le précédent, c'est le cas avec celui-ci aussi. Non mais de toute façon, ce niveau précisément là, c'est le dernier que je peux faire avec le goinfre l'humain. Après, tous les autres, il y a besoin de beaucoup, beaucoup de sauts. Bon, du coup, si on récapitule ce que j'ai fait tout à l'heure. Mince. Là, j'étais là. Donc, là, on est obligé de sauter, du coup, a priori. Après, là, on peut faire notre chemin. Là, j'espère que je peux faire ce que je veux faire. Oui. Là, on va là, on prend pas de risque. Donc là, actuellement, je suis à 2 sauts. Et est-ce que l'étoile, on peut la choper? Ah ouais, putain. Ouais, on est obligé d'attendre. Parce que, à la limite... Ouais, non. Ah! Non, j'allais dire ah, mais non. Non, j'allais dire l'étoile, là, je peux peut-être faire quelque chose pour la prendre, mais non. Ça passera pas. Bah là, je suis obligé de sauter. Eh bah, écoute, j'abandonne celui-là. Là, faut que je fasse un 3e saut et un 4e pour récupérer l'étoile.
Donc, ça ne vaut pas le coup. Eh ben écoute, mon dernier espoir, c'est le goinfre l'humain. Mais ouais, mon dernier espoir, c'est le goinfre l'humain. Oh putain, deg. Putain, ça veut dire que j'ai vraiment pris les étoiles les plus optimisées. Ça coûte combien toi, 600 ou 800? Parce que le goinfre l'humain, on le fait dans le speedrun, mais je me souviens plus de... Je crois que c'est l'une des dernières étoiles qu'on fait dans le speedrun. Ah putain, c'est que 600. Donc ça veut dire que j'ai juste besoin de faire une fois le level de la ruche. Merde. Je suis boring. Nickel. Après, si ça se trouve, j'oublie une étoile qui est simple à choper, mais là, voilà. Là, non, on a tout fait, hein. Parce que pareil, ici, il y a besoin de plein de sauts. Oh putain, Là, mais attends, mais même l'île numéro 3, je crois que je les ai jamais faites, celle-ci. Celle-là, je sais que c'est mort. Mais le jardin vente 3, c'est quoi déjà? Et l'île sablonneuse 3. Ah si, jardin vente 3, je sais ce que c'est. Mais l'île sablonneuse 3, qu'est-ce que c'est? Attends, je vais le lancer par curiosité pour voir s'il y a moyen de gratter des sauts. Parce qu'il y a possible. C'est possible. Chaos gravitationnel. Donc là, on est obligé de sauter. Ici, je sais. Je sais pas, là, je sais pas. Là, ça va être un peu le tryhard. Donc, je ne sais plus. Son point est point. Ouais, là, on n'a pas de grosse piranha, du coup, normalement, ça devrait aller. Hein. Ah, faudrait que je... Ouais, non, que je farme les fragments, mais ça sert à rien. Ouais, c'est là-bas qu'on a. Mais je sais pas si on est obligé de sauter. Point faible, trop rapide, tu veux que je te dise quoi? Je pensais pas que je le rattrapais. Parce que ce niveau, je crois que je l'ai jamais fait. Ah si, my bad. Ouais, bah juste à cause de ce passage là, c'est mort. Parce que pour récupérer celle là t'es obligé de sauter. Après, pour choper ça, t'es obligé de sauter. Pour choper ça, t'es obligé de sauter. C'est mort. C'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié, c'est mort. C'est même pas la peine ici. Et alors, dans le niveau de sable... Ouais, là, juste pour récupérer les petits fragments d'étoiles de TP, je crois qu'il faut sauter au moins 7 fois, enfin... C'est même pas envisageable. Le traquenard du désert. Ah, c'est pas qu'il y a une phase 2D? Ah, si, putain, si, je me souviens. Non, celle-là, c'est mort. Faut trop sauter aussi. Non, bah ok, bah ça confirme. La dernière étoile que je peux faire qui ne me coûtera pas trop cher, normalement, bah ça va être le goinfre l'humain. Le problème, c'est que je ne sais pas c'est quoi le goinfre l'humain. Je ne sais plus, je me souviens pas. Vu que j'étais persuadé que c'était le... Je croyais que le goinfre l'humain, c'était l'île flottante. Mais non. Eh ben écoute. Merci. Bon, on va le faire rapido ce niveau pour choper les fragments d'étoiles nécessaires. Spoyant. Oh là là. Oméga gigastonk, hein. Oh là 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 là. Et vraiment ce niveau, 147, c'est une dinguerie. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre à jour le compteur.
Je vais le faire juste après ce level. Bah là, il nous manque plus que deux niveaux en vrai. Hein. Putain, si je m'étais raté là, je serais mort dans le vide. Parce qu'après, il nous restera, bah, enfin, on va faire le goinfre l'humain. Et après, bah, il nous restera le Bowser. Ah, c'est des petites filoutes, hein, ces scarabées. Hein. 180 ce niveau. Eh ben écoute. Alors, on est à combien d'étoiles actuellement? De saut, pardon. On est à 85. Ah bah, j'ai déjà mis à jour. J'ai déjà mis à jour. Attends, quoique, bah non, la dernière étoile que j'ai faite, c'est la... C'était la numéro 2 de la plage Saladier. Et j'avais pas besoin de sauter. Enfin, je crois. Je sais plus. Oh là là. Eh, les souvenirs. On est d'accord que là, dans mon truc, j'ai bien... Ouais, 59 étoiles. Eh bah, écoutez... Est-ce qu'on serait pas tipard pour récupérer notre dernière étoile? J'espère que c'est la dernière. Ah, bonjour. C'est un Américain, ce goinfre l'humain, je reconnais. Ça y est, je suis repu. Bon, c'est là où je prie. Ah, je me souviens. C'est une île aquatique. Si. Oh putain, c'est un niveau aquatique. Oh, il met bien. Si, si, je me souviens de ce que c'est. Si, si. C'est un niveau aquatique, full eau. Ah. Attends, après, il y a moyen... Est-ce qu'on a... Ouais, c'est bon. Oh, let's go. Alors, il y aura juste l'étoile où faudra... Ah bah non, bah non, vu qu'on a les carapaces. Même l'étoile, je serais pas obligé de la prendre... C'est long. Oh, yes. Oh, ça met bien. Ça m'est vraiment bien de finir par une étoile qui me donnera zéro saut. Bon bah, objectif, buter toutes les anguilles murennes. Et je crois qu'une fois que tu pointes, normalement, les... Ah oui, c'est vrai qu'il y a la carapace rouge. La carapace rouge qui est plutôt efficace au pire. La dernière. Ah, mais je crois qu'elle est dans un coffre, l'étoile. Donc la question de sauter ou de pas sauter, elle se pose même pas. Putain, mais elle est où, la dernière là? Ah, elle est là-bas. Ouais. À croire qu'elle me fuyait. Paf! Spoilé, poilé, pouep! Eh oui, elle est bien dans l'eau. Eh, les goinfres l'humain, ils m'ont mis tellement bien dans le jeu. Alors malheureusement, j'ai pas pu tous les faire. Attends, elle est où l'étoile? Ah non, elle est pas là. Est-ce qu'elle est là l'étoile? Elle est là l'étoile! Et le goinfre l'humain! Qui nous donne aucun saut! En même temps, on est dans l'eau. Mais quand même! C'est le deuxième goinfre l'humain où il n'y a pas besoin de sauter. Parce que c'est un niveau full aquatique. Eh bah écoutez, j'ai l'honneur de vous l'annoncer que oui, ce stream est le dernier sur Mario Galaxy. Et nous allons beaucoup mourir pour faire Bowser. Alors, Bowser... non, pardon, pas Bowser. Donc là, je viens de faire le goinfre l'humain de la cuisine. Alors, elle est où la cuisine? Elle est là. Ligne au-dessus. Donc j'ai l'humain. Cuisine. Zéro. Niveau aquatique. Eh bah écoutez. Je vais faire un petit tour aux toilettes avant. Ah, pourquoi j'ai débloqué un niveau ici? Peut-être ma gueule. C'est une blague. Attends, j'ai envie de voir c'est quoi ce niveau quand même dans la salle des machines. Parce que si ça se trouve, ce niveau-là, tu le débloques. Après avoir fait le niveau que je viens de faire. Et si ça se trouve, c'est un niveau qui vaut le coup. Je sais pas, par curiosité, on va voir. Pas tout de suite. J'irai aux toilettes juste avant de lancer Bowser, parce que le niveau de Bowser,
Je vais beaucoup mourir dedans. Attends, vu que j'y suis, je vais récupérer les cœurs. Enfin, les cœurs. Je vais récupérer les champis. Après, c'est vrai que j'avais pas tant de level à faire quand même aujourd'hui. Là-haut, c'est la salle des machines. Ah, il me semblait qu'il y avait un one-up ici. My bad. Alors, salle des machines. C'est quoi le niveau qu'on a débloqué? Parce que c'est pas un niveau que je fais en speedrun, celui-là, donc je sais pas ce que c'est. Alors, tu es qui, toi? Oh putain, c'est un niveau où il n'y a pas besoin de sauter non plus. Ouais, mais la question que je me pose, c'est est-ce que ce niveau-là, tu le débloques forcément après le Luma que je viens de faire, je pense. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que je peux me permettre, en faisant cette étoile-là, d'en annuler une. Requin squelette. Attends, débloquer. Niveau. Non, Galaxy. Requin squelette Mario Galaxy. Alors, est-ce qu'ils disent comment débloquer cette celle-là? Alors, salle des machines, requin squelette. Alors, il faut 55 étoiles et l'étoile de la larme. C'est quoi l'étoile de la larme? Mais si je l'ai débloqué, c'est pas un hasard. Ah putain. Donc ça veut dire que là, ce niveau-là, j'aurais pu le débloquer plus tôt. Enfin, j'aurais pu le débloquer aujourd'hui, vu qu'il me fallait 55 étoiles. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est cette étoile-là, et je vais m'annuler une étoile qui m'a coûté cher. Et là, comme ça, bah, je m'annulerai la... l'étoile de la grotte du donjon C. Enfin, la comète de la grotte du donjon qui m'a coûté 3 sauts. Parce qu'après, là, je regarde, mais les autres étoiles... Enfin, je peux pas annuler d'autres étoiles, quoi, qui sont intéressantes. Ouais, c'est la seule que je peux annuler qui vaut le coup. Eh ben, écoutez. Voilà, c'est comme si la comète de la grotte du donjon n'aura jamais été faite. Parce qu'après je regarde, mais là où je fais plus que 4, là où je fais 4 sauts au minimum, bah, y a la grotte du donjon numéro 2. Mais sans cette étoile-là, on faisait pas la grotte du donjon numéro 3 qui est un niveau full aquatique. Donc à ce niveau-là, c'est rentable. Quoique. Ouais, bref. Eh bah écoutez, on va faire ça. Hein. On va annuler une étoile. Et bah là, c'est exactement comme le niveau précédent, sauf qu'il y a une seule cible cette fois. Papa! Oh putain! Oh! Ouais, c'est juste un combat de boss. Je sais même pas s'il veut nous tuer. Paf! Non. Respawn! Ouais, pour l'instant, il veut pas nous tuer, non? Paf! Alors, est-ce qu'il est énervé après? Ah. Ça, c'est chiant. Les bébules! Ok. Bon, en vrai, ça devrait aller. Hein. Ah! Bonjour. Ah oui, le requin, il a l'air de vouloir nous tuer quand même. Parce que là, je l'ai vu, il s'est retourné. Paf! Putain, faut encore que je tape. Ah non, c'est bon. Ok. Oh putain! J'ai cru que c'était fini! Merde. Attends, il me faut... Ouais, attends, il est devant moi, je peux le taper là. Putain, mais il a combien de cœurs, ce petit bâtard?
J'ai cru que c'était fini. Oh putain, il va vite là. Ouais, faut le prendre à revers, non? Est-ce que ça passe? Ah putain! Non, je suis obligé de le taper avec des carapaces vertes. La rouge ne l'a pas poursuivi là. Bah écoute, on va faire ça. Attends, il est où? Ah putain. Ah, c'est pas simple. Je crois que ça, il me semble de souvenir, c'est une étoile que j'avais vue normalement en speedrun qu'il fallait que je fasse. Mais je la trouvais tellement dure que au final, je la fais pas dans mon speedrun. Non, j'ai raté. Ouais, faudrait que je retrouve la carapace rouge, hein. Je pense qu'elle a juste bugué. Hein. Enfin, bugué. Elle a juste pas marché. Putain, non mais tu te fous de ma gueule. C'est bon, là? Ah bah merci. Mais putain, allez se battre pour celle-là. Alors est-ce que l'eau... Eh oui, l'étoile est dans l'eau. Donc confirmé, zéro saut dans ce niveau. Donc ça veut dire que, vu que normalement ce niveau-là, j'aurais dû le débloquer plus tôt. Ça veut dire que j'ai fait la comète. Pour rien de la grotte du donjon. J'annule donc cette étoile. Annulé par requin squelettique. Voilà. Je note. Bah écoutez, là j'étais à la salle des machines. Donc écoutez, insérer une ligne en dessous. Requin squelettique. Zéro. Parce que niveau aquatique. Donc ça nous fait 60 étoiles si j'avais pas fait la comète. Mais du coup, ça nous fait gagner des sauts. Ça nous en fait gagner 3. Donc là, on descend à 82. Et la question, c'est est-ce que là, ça va encore me débloquer d'autres niveaux? Si oui, j'ai le seum parce que ça veut dire que vraiment... Ok, non, ça m'a rien débloqué. Ouais, donc ça veut dire vraiment la comète d'avant, je l'ai fait pour rien, quoi. Eh ben écoutez, sur ce, nous sommes à 82 sauts. Est-ce que ce serait pas le moment de finir le jeu et d'aller pisser avant aussi? Alors j'ai combien de vie? 34. Ça devrait aller, 34 quand même. Ah bah, surtout que... Heureusement que Peach est là. J'ai une lettre de la princesse Peach. Évidemment que je les prends. Eh bah écoutez, sur ce, je reviens et on lance le dernier level.
Ah là là. Eh ben écoutez, ce fut une belle aventure. Ouais, hein, je pouvais pas faire mieux en vrai. Je pense que j'ai fait le truc le plus opti. Juste malheureusement, les deux derniers niveaux que j'ai fait, j'aurais bien aimé les faire plus tôt. Mais je savais pas comment les débloquer. Enfin, le Goinfreluma de la cuisine, je savais qu'il fallait faire la plage Saladie avant. Mais je savais pas par contre que derrière ça allait me débloquer le niveau du requin. Le niveau du requin dans ma tête, il était dans Galaxy 2. Eh ben écoutez, j'y vais. Allons-y pour ce dernier level de Mario Galaxy Jumpless Challenge. Ah putain, j'étais en mode qu'est-ce qui vibre? Putain, mais ça tourne, mais c'est dangereux. Oh, le giga réacteur. Et là, on est une comète maintenant. Bon, évidemment. Alors, qu'est-ce qui pourrait me poser problème dans ce niveau? La phase 2D, elle me posera problème. Le tout début du niveau, je pense, si je peux faire des sauts muraux, ça devrait aller. La phase avec la gravité, avec les puits de lumière de gravité et les Skullerex. Si je peux faire des sauts muraux, normalement, ça devrait aller. La phase désertique, celle-là, je pense que je vais pas mal crever dessus. La phase de glace et de feu, elles me font pas trop peur. Après, atteindre Bowser, ça va me coûter très cher en saut, je pense. Et la phase 2D après, comme je l'ai dit. Qui détient la clé du destin de l'univers. Alors, ici. Ah, y a pas besoin de sauter pour ça, non? Ah ah ah! De toute façon, je pense que je peux sauter sur le... Je peux peut-être sauter sur lui. Ah ah! Quoi? C'est une blague? Me dis pas que je suis en plein dans la limite et que du coup je peux pas rentrer. Ah voilà. Là, quel. Ok, nickel. Merde. Moi je me suis niqué. Attends, on dit. Quoique, quel est le plus intéressant? Je sais pas si je peux. Si je peux faire le saut mural sur ça, c'est sûr. Ça fait tellement peur. Ok. Donc ici. Tac tac. Ouais, c'est ce que je disais. Cette phase là, je la sentais bien qu'elle était faisable. Ok. Le problème, c'est la perspective qui n'est pas particulièrement. Là. Est-ce que je peux. Est-ce que j'ai un intérêt à rester dans ma phase? Je pense que ça sert à rien. Allez, on va descendre. Au pire, on remontera. Mais je pense que ça sert à rien. Là. Merde. Oh putain, ce Skullerex, il va vraiment me faire chier. Bah là, on va essayer de remonter. Déjà, là, on a fait un bon chemin. Merde! Putain! Pardon. Putain, mais il fait chier, lui! Putain, il a vraiment respawn au mauvais moment pour moi. Ah, putain. Merde! Oh! Oh, bah attends! Bah attends, c'est parfait! Bah attends, je vais faire ça! Avance, avance. Ah. Ah. Ah putain. Non, c'est possible, c'est possible. Après là, je peux monter ici, hein. Je l'ai déjà fait des milliards de fois. Mais moi je veux réussir ça. Voilà. Maintenant. C'est vrai que la caméra elle m'aide pas.
Tac. Ah ah. Première phase réussie. Alors ici. Ici, je pense que ça devrait aller. Alors j'aimerais bien. Voilà. Ouais, parce qu'au pire, on se dit pour choper des hauteurs. Ouais, non, il n'y a même pas besoin. Voilà. Merde. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, ça l'est par contre. Ok. Là. C'est pas grave. Voilà, ok. Donc la phase de lave, pareil, est-ce fait? Ah bon, celle-là, elle est free. Ah, quoique. Quoique, ça disparaît derrière toi. Ça, je me souvenais pas. En même temps, je l'ai fait tellement vite, cette phase, normalement. Oh, on passe pas! Non, tu te fous de ma gueule! Tu te fous de ma gueule! Ok. Où est-ce que je respawn? Ok, bah du coup, bon, là, je me permets de sauter, hein. On a déjà réussi une fois. Là, pareil, hein, je vais aller un petit peu vite. Après, là, c'est pas la route de speedrun, mais je fais ça pour être... Je fais ça parce que normalement... Putain. Normalement, je suis censé pouvoir finir la phase de feu en étant full vie. Ah oui, non, c'est vrai que c'est pas ici. Ouais, quand je suis là, je me suis fait toucher, mais j'aurais pas dû me faire toucher. Enfin, je crois. Je sais pas si je peux faire un saut muret. Ah, on peut pas. On peut pas, ok. Donc ça veut dire ici, on est obligé d'avoir 2 points de vie. À la limite, pour aller vite, on peut faire ça. Ouais, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est... Je me fais toucher une fois. Ah, putain! Ce qu'il faut que je me fasse, c'est que je me fasse toucher une fois pour aller vite. Ou pas, je sais pas. Non, sinon, je sais ce que je peux faire, mais c'est risqué. Oh, putain, c'est vrai qu'il y a la phase là, après, je l'avais oublié. Oh, attends, si on est... Oh, putain, il y a un mur invisible, depuis quand? Attends, c'est my bad. Ah putain, faut passer par le côté. Ok. Putain, j'avais oublié ça pour le speedrun. Il y avait un mur invisible. Parce que là, tu peux pas aller directement là-bas. Ce qu'il faut faire, c'est longer le mur invisible. Voilà. Et là, on va là direct. Ah merde, par contre, du coup, j'ai récupéré une énergie que j'étais pas censé avoir. Ah mais là, je viens de me baiser, du coup. Je viens de baiser ma run. Quoique, bon. Quoique non. Voilà, comme ça, on est à la normale. Alors. Donc si je me rate pas. Tac, tac. Voilà, ok. Donc ça veut dire c'est possible. Sans jamais se faire toucher. Là, j'ai des doutes. Donc là, on est toujours à 0 saut hein, quand même. Et là, le problème, c'est qu'on est toujours avec un cœur en moins, quoi. Alors là, le problème, c'est que je sais pas... Attends, je vais remonter là-dessus. Est-ce que je suis obligé de sauter ici? Sinon, je peux peut-être me prendre le feu. Merde. Bon, c'est my bad, c'est pas grave. Non, sinon là, je pense qu'il faut que je fasse, c'est que je me prenne le feu. Oh putain, ils me font respawn là. Merde. Bah, vu que j'ai réussi une fois, du coup, je vais me permettre d'aller vite maintenant. Donc la glace, je vais la faire. C'est ce qui me semblait. Voilà. Attends. Ouais, je récupérerai le one-up après si je me rate.
Donc ça veut dire là dans les conditions normales, on est ici. On est là, tac. Là, on fait ça. Après, on a cette face qu'on peut faire tranquillement. Et là, bah, la question, c'est est-ce que c'est possible de ça ? Est-ce que je peux passer par le côté ? Ah putain. Je sais pas si je peux passer par le côté. Et même le prochain checkpoint, je sais pas où il est. Je sais pas si le prochain checkpoint, il est... Ah, il est sur la phase 2D, le prochain checkpoint. Donc c'est pas grave si je me fais toucher ici. Enfin, il me semble. Hein. Il me semble que la prochaine phase... Il y a une saillie. Attends. Pourquoi se faire chier Ça en farm les vies, on en profite. Tout en restant à 2 cœurs, hein, vu qu'on est censé être à 2 cœurs. Hein, si j'étais legit. Bah là, je pense que ouais, je suis obligé de me brûler les fesses. Hein. Ouais. Donc là, on a la phase 2D. Et là, bah, la phase 2D, ce que j'espère, c'est... Parce que je sais pas comment... Ouais, là, déjà, je suis baisé. Faut que j'attende que lui dispawne. Ah. Je pense qu'on est obligé de sauter ici. Ok, heureusement, on nous fait bien respawn là. Alors, attends. Ah, putain. Pourquoi j'ai pas pu? Attends, je pense que j'ai la bonne strat. Ok. Ah putain. Non, ça passe. Ok, je peux le faire comme ça. C'est la bonne strat. Là, je savais juste pas qu'il fallait que je tournoie. Ok, donc déjà, cette phase-là, c'est ciao. Allez, dépêche. Quoi? Oh non, je suis obligé de me faire brûler, je crois. Ah putain. Ouais, là je suis obligé de me faire brûler, sinon je peux pas passer. Ah putain, juste en se faisant brûler, ça passe pas. Ah merde. Bah je pense qu'il faut que je fasse, c'est que j'attende de faire ce que je fais. Bon, attends, ici je me permets d'aller un petit peu plus vite, vu qu'on sait que ça passe. Merde. Bon là, j'ai totalement niqué ma run. Ouais. Non, ça sert à rien. Faut que je le fasse à chaque fois, parce que sinon ça nique les timings. J'ai peur d'être allé trop vite, là. Ah, c'est bon. Alors. Non, hein. Oh, ça passe! Ça passe! Ah, mais là... Là, je suis condamné, je crois. Là, faut que je cours. Pourquoi il me fait courir dans ce sens? Ok. Oh putain de merde, oh, j'y croyais tellement pas. Donc ça veut dire que cet endroit, je l'atteins legit sans sauter. Oh. Alors là... Là, ça va être difficile. Après, j'ai 321 fragments d'étoiles.
Oh, let's go. Ok. Allez. Putain. Ah, tu te fous de ma gueule. Est-ce que ça passe ici? Je sais pas si j'ai le temps de passer. Ok. Pour l'instant tout va bien. Ok. Ah, c'est là où j'ai des petits doutes. Hein. Là j'ai des petits doutes. Ça me ramène là. Bon, on a déjà réussi une fois. Hein. Je pense que j'ai réussi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Ça m'étonnerait que j'arrive à reproduire la prouesse. Donc faisons-le vite. Et je vais revenir là où j'étais, mais j'étais full vie. Donc on était là. On n'était même pas là, on était encore plus en avant. Donc j'étais là full vie, je crois. Enfin, grâce à cette pièce, je suis arrivé full vie. Alors. Ah mais putain, ils te rattrapent, hein, les bâtards. Hein. Merde. Oh. Ah ouais, mais putain, les Bilbo, ils te... Ouais, ils te rattrapent. Ah putain, c'est horrible. J'ai raté mon coup. Putain, je suis vraiment content. Hein. Je suis vraiment content pour l'instant. Parce qu'en vrai, toutes les phases là, elles sont faisables sans sauter ne serait-ce qu'une fois. C'est juste comme d'habitude. Hein, si je devais le refaire à chaque fois, je peux pas avoir un aussi gros taux de réussite. Attends, est-ce que lui il me poursuit encore? Putain. Bon alors. Ok, nickel. Donc ça veut dire ici je peux arriver là en étant full vie. Avec ce bon lighter. Ok, et là je pense que le piège c'est de prendre son temps. Voilà. Ah putain, non, là j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, j'aurais dû y aller direct et me faire toucher par la lave et prendre des pièces. Pas grave, ce n'est pas grave. On y retourne. De toute façon, on est là, c'est pas grave si je crève. Je récupère des one-up à chaque fois. Boring. Vraiment, je sais pas pourquoi sur cette plateforme-là, ça nous fait un tel boost de saut. Alors c'est pas ici que c'est danger, c'est après. Bon ici avant je suis arrivé ici full vie. Donc du coup.
Là déjà c'est la merde. Pas grave. On récupère notre vie. C'est pas grave. Putain. Ok. Putain, donc les premiers sauts qu'on va devoir faire, c'est ici. Et là, on a pas le choix. On est obligé de sauter ici. Eh bien, qu'est-ce que tu cherches? La princesse est ici! Mario, papa! Allez. Bon, je vous l'annonce, je vais beaucoup mourir ici. Mais vraiment beaucoup. Parce que le problème, c'est que je peux le faire en entier sans sauter. Mais on est timé. Parce que Bowser, il va nous tirer des météorites dessus. Et le problème, c'est que je ne peux pas battre Bowser, je crois, si je n'ai pas lui. Si j'ai pas le 6 vies, je ne peux pas faire Bowser. Donc je pense qu'il faudra que je fasse... Est-ce qu'en trop ? Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à atteindre ce champignon sans sauter une seule fois. Et si je vois que je suis, c'est trop compliqué en termes de saut, eh ben dans ce cas, je finirai à la fin. Mais là, j'ai 41 vies. Donc en vrai de vrai, ça devrait être jouable. Ça commence bien. J'étais persuadé que j'étais pas obligé de faire le saut mural pour passer. C'est my bad. Donc on est là. Donc voilà, en fait, ce que je vais faire, c'est ça à chaque fois. Mais le problème, c'est que j'aurai pas le temps. À cause de ça. Oh, oh là 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 là. Bon, je vais me permettre, hein. Le premier, on l'a réussi. Ah, mais le fait que là, la plateforme, elle est pas la même hauteur, c'est chiant. Ouais, parce qu'en sautant, je peux pas sauter beaucoup de marches, hein. Je peux en sauter que deux, je crois. Oh là là là. Putain. Ça va être compliqué. Ok. Ouais, là, je suis obligé, hein. Donc, un saut. Deux sauts. Trois sauts. Quatre sauts. Et cinq. Bon, on sait. Cinq sauts. Je pense que c'est mort. Bah, je pense aussi, mais... Enfin, je sais. C'est le tout premier Bowser où, pour exactement la même raison, j'ai dû gaspiller, je crois, quatre sauts. Et là, on en a cinq ici. Je suis sûr c'est faisable en 4 sauts. Si je réussis mon coup, j'ai besoin de 4 sauts. Mais bon, on a vu, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps d'atteindre ce champignon. Allez. Si ça se trouve, 3 sauts, c'est possible, mais... Voilà, tac. Ok. Et là, est-ce que je peux arnaquer? Oh! Allez, active! Non! Oh putain! Dommage! Ah, j'ai cru! Ah, dommage! Putain, hey, j'ai eu un bon truc là! Ah, je pense que je vais tryhard pour l'avoir en 3, hein, parce que là, je l'avais. Hein. Merde. En 3, c'est faisable, hein! Et heureusement qu'on n'est pas obligé de se retaper les dialogues ici. Hein. Merde! Putain! Ça a bugué, je pouvais plus tournoyer. Ouais, ça m'a niqué. Ouais, je me demande si j'ai pas moyen d'économiser un saut. Je pense qu'il y a moyen que je puisse atteindre ce champignon-là sans faire un seul saut. Et une fois que je suis sur la plateforme-là, vu que je suis censé avoir du retard,
Je suis obligé de faire un saut comme ça pour choper le champignon et continuer à avancer. Et de cette façon, un saut depuis ce champignon là, et après je peux en caler deux et ça devrait passer. Vraiment objectif, 3 sauts. Je suis sûr c'est faisable. Mais 2 non. 2 je pense on n'a pas le temps. Ouais, c'est pas grave. On est là pour mourir de toute façon. Mais c'est comme j'ai dit, hein, Bowser, on est obligé. On est obligé d'avoir ce champignon, sinon je ne peux pas battre Bowser normalement. Ok. Merde. Oh putain. Ah mais pourquoi? Bon allez, un saut. Ouais mais là ça sert à rien, j'ai trop de retard. Même pas la peine. Ah putain, ouais faut vraiment que je me laisse tomber et que je tournoie. Mais là j'ai pas compris pourquoi la plateforme, je crois elle était déjà en train de tomber, du coup j'ai pas pu faire de saut mural dessus. Ça m'a bien niqué. Ah putain, dommage. Alors quelle est mon erreur là? Ouais ok. Parce que j'aurais dû avancer. Ok ben on l'a vu, ce champignon là je peux l'atteindre sans sauter. Si seulement j'avais des save states. Merde. Ouais non, je suis obligé de tournoyer. Si je tournoie pas, ça me nique tout. Allez, il me reste 30 essais, ça devrait aller. Parce qu'une fois que j'ai réussi, une fois, je le refais plus. Hein. Même si j'ai un game over, je me ferai plus chier. Hein. Ouais, non, là j'ai raté le timing, je crois. Ouais. Ouais, et le fait de vouloir me dépêcher, je me suis raté. Bon, allez, concentration. Ah allez. Ça va passer. Ok. Et là, 1, 2, 3, 3, let's go. 3 sauts pour Bowser. Vas-y. Vraiment, hein, je sais pas si 2 c'est possible. Je sais vraiment pas si 2 c'est possible. Là, je me dis que la plateforme où il y avait le champignon one-up, en le prenant... Ah, mais attends, mais même la plateforme du... Ah bah non, du champi civi, non. Ouais, bref. En fait, ce que je me disais, c'est que si... Bah, là, tu vois, la caméra, elle me pointait là. Et tu as la plateforme derrière, où j'aurais pu faire un saut mural au niveau du one-up, qui aurait pu me permettre de me booster en avant. Mais je pense que dans tous les cas, j'aurais dû sauter. Eh ben écoutez, 3 sauts pour atteindre Bowser. Moi, je note. Je pense pas faire mieux. Et honnêtement, là, j'ai plein de vie pour tryhard Bowser, donc... On est parti. Bah... Bon, première phase. Alors c'est quoi déjà? C'est la phase caillou? Ah merde, voilà déjà je suis obligé de me faire toucher tu vois. Ah oui c'est la phase caillou. Bah... Mais tu te fous de ma gueule? Ah bah voilà. Putain par contre j'ai perdu une pièce ça veut dire. Paf! Attends, on va en profiter. Paf! Mais en vrai, quand j'étais petit, Bowser, je le trouvais difficile et au final, il est vraiment facile. Hein. En première phase. Ah oui, c'est vrai que la deuxième, elle est hyper simple. Pom 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 pom. Pouf.
Ah oui, celle-là, elle est vraiment facile. Hein. Ah, moi qui étais en mode « J'ai besoin de 6 vies pour battre Bowser !» En vrai, premier degré, je pense qu'avec les pièces, il y a moyen de le battre. Ah, quoique, il n'y en a plus ici, non? Ah si, il y en a. Bon, on va récupérer ça. Yo! Ah quand même, après avoir autant galéré, ça serait rigolo de first try Bowser. En vrai, ça va, je pense que ça va arriver. Hein. Je vais très probablement le first try. On verra, ça sera la surprise. Oh, à Panthéon, le feu, c'est beau, mais ça brûle. Ah merde. Ah ça va, il est sympa. Il est sympa, il se déplace pour moi. paf. Alors est-ce que c'est le dernier coup? Est-ce que c'est de l'avant-dernier? Non, c'est le dernier. Squirrel. Eh bah, écoutez mesdames et messieurs, first try. Et c'est là qu'on voit le speedrunner. Je suis étonné, il m'a pas fait l'attaque du tournoiement. Son tournoiement obscur. Il le fait pas. En fait, il le fait que la deuxième fois qu'on le rencontre. Eh ben écoutez, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous avons fini Mario Galaxy. Avec 4 sauts sur le Bowser final. Et ainsi donc, nous terminons le jeu. Et ça, ça va faire plaisir à Silver Crow. Avec 86 sauts. Que voici. Ah là là. 86 sauts. Selon ma run, pour finir Mario Galaxy. 86 sauts pour récupérer 60 étoiles. Alors oui, j'ai une Wii, mais je l'ai plus. J'ai Dolphin, sinon. Bah écoute, trop bien. Je ferai ma Galaxy devant. Ah là là. Je vais dire à Silver Crow. Je viens de finir Mario Galaxy dans ma run où je fais le moins de sauts possible. J'ai fini avec 86. Eh, c'est fou quand même, hein. Eh vraiment, 86, c'est un nombre magique sur Twitch, je le vois très souvent. Ah, je suis content. En plus, 2h30, ça va, le stream était pas trop long cette fois. Après, j'ai eu une session de 5h, mais j'ai pas vu le temps passer. Ma galaxie, mon univers. Oh, oh là là. C'est vrai qu'elle est horrible, la fin. Sa planète est détruite, il tombe dans la lave brûlée. Et en plus, cette planète fait un bing-bang. Rien que ça. Et Peach qui ne panique pas. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Oh. Et est-ce que je me ferai pas tous les Mario 3D sans sauter? Ah non. Non, Mario Galaxy, c'est mon jeu de cœur. C'est... Il y a le tournoiement. Grâce au tournoiement, tu sais que c'est possible. Tralluma. J'ai vu un ping, j'ai vu 86, on m'a invoqué. Eh ben écoute, bonsoir à toi Silver Crow, bienvenue sur ce nouveau streaming. Et oui, dans mon défi de Mario Galaxy avec le moins de sauts possible, je viens de le finir à l'instant avec 86 sauts. Oh, comme par hasard.
Ah bah là, c'est rigolo, c'est rigolo. Non mais c'est fou, c'était génial. Bah écoutez, moi je vais faire mon... Je vais faire mon, comment on dit, mon petit planning pour la semaine qui arrive. Et puis voilà. Oh le bébé papa. Harmonie. Et oui, c'est le bruit du bébé. Et oui, une nouvelle planète est née grâce au Luma qu'on avait. De nouveaux bébés étoiles sont nés. Un jour, ils formeront sûrement une nouvelle galaxie. Mais non. La perfection. Ah bah là, je pouvais pas faire mieux. C'est fou quand même, les hasards. Lorsqu'une étoile s'éteint, elle se brise et vole en éclats. Puis lorsque ceux-ci s'amassent, ils forment une nouvelle étoile. Et le cycle de la vie recommence. Cependant, ce n'est jamais tout à fait la même étoile. Ouais. Et ainsi. À chaque fois, il dit « et ainsi ». Je sais pas pourquoi il dit « et ainsi ». J'ai l'impression que c'est une erreur de traduction. T'as une run avec les 120 étoiles ou pas? La run des 120 étoiles risque de me faire péter un câble. À cause des pièces violettes. Mais ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire, mais je t'avoue que pour l'instant, je préfère me focus... Je vais me focus peut-être plutôt sur le montage de la vidéo, là, de celle-ci. Parce que j'ai fait combien de streams? J'ai eu besoin de 4 streams, du coup. Alors, je vais regarder. Alors, moment de vérité. 5 streams. Une session de la première, 3h30, 2h30, 5h, 3h, et là, 2h30. Ouais, quand même, beaucoup, hein. Alors que le N1%, quand je l'avais speedrun, mon record c'est 3h11. Ah oh là là. En vrai, on est en train de regarder cette cinématique. Bah, c'est au cas où que si j'ai envie de faire le 100%. Moi, dans tous les cas, je garde mon Excel. Je garde mon Excel si j'ai envie de faire le 100% avec le jumpless. On verra. Alors, sur 60 étoiles, combien de niveaux ont un 0 ? 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Putain. 19 étoiles sur 60. Attends, sur 61 si on compte le buzzer final. 19 étoiles sur 60. Faisable sans sauter. C'est beaucoup quand même. Je pensais vraiment pas qu'il y en aurait autant. Je suis très très étonné à ce niveau-là. Et ben voilà. C'était... Super Mario Galaxy. Donc ouais, hein, sur le long terme, le 100%, pourquoi pas. Pourquoi pas le 100%, mais le 100%, on va exploser le budget des étoiles. Hein. Enfin, le budget des sauts. Déjà, juste là, je pense, à la forteresse rocheuse... La forteresse rocheuse dans la salle de bain, où juste le début, t'as besoin de sauter 5 fois pour atteindre le passage scrolling. Tu es obligé de sauter 5 fois pour l'atteindre. Et après, faut sauter 1, 2, 3. Minimum. Et encore, c'est hyper dur à faire. Parce que la dernière fois que j'ai essayé, j'ai pas réussi. Donc juste la forteresse rocheuse, tu dis, il y a besoin de sauter 8 fois pour réussir. Et si tu récupères Luigi, tu dois sauter 9 fois, vu que Luigi, il est sur la plateforme du dessous. Et qu'il n'y a pas de Goomba, je crois, en dessous. Je me souviens plus. Oh putain, cette taupe. Oh, cette taupe, j'ai... Attends, j'ai mis... Attends, je crois que je suis resté sur la taupe au moins 3 quarts d'heure. Hein. J'économise... Oh merde. Attends, le filtre rigolo, il existe encore? Je crois que je l'avais retiré. Ah ouais, mais c'est un peu dommage. À la limite, je te conseillerais de l'utiliser pour le prochain stream. Où tu me vois et que tu veux rester. Parce que là, je vais m'arrêter, donc ça serait con de l'utiliser. Par contre, je vais très probablement retirer la récompense. Parce que je crois que avec mon formatage de PC, je ne peux plus le faire. Mon Silvercrow, t'as des centaines de milliers de points, donc... ça devrait aller, hein. Ne m'en veux pas.
Je vais regarder. Est-ce que j'ai encore le Snapchat caméra? Alors, je l'ai. Mais est-ce qu'il fonctionne? Ah, device is unavailable. Oh. Bah, j'ai l'impression que ça marche pas. Pourtant, il devrait marcher. On m'arnaque. Mais non. Alors, est-ce que c'est à cause de Rec Central? Je sais pas. C'est bien beau, mais la caméra, c'est laquelle? Live Gamer. Ah, c'est pour ça. IVCam. Ah, et là, imagine, ça crache. Ah non, c'est bon, ça marche. Bah écoute, je te conseille de garder tes points pour une prochaine fois. Vu que ça fonctionne. Ok, je pensais que j'avais besoin de recommencer, mais non. Bon, bah, c'est bon, t'en as... Il y en a beaucoup. Ah, le boss Pierre. En vrai, le boss fantôme de Pierre est un très bon boss. Quand j'étais petit, il m'a traumatisé, mais au final, il est pas si dur, et je le trouve même très cool. Ah, mais je repense, hein. Je crois, attends, le boss de Pierre, je vais vérifier, mais... Ouais, y a pas besoin. Le seul saut qui est nécessaire pour l'étoile du boss de Pierre, c'est l'étoile. T'es obligé de sauter pour prendre l'étoile, mais tout le level, tu peux le faire sans. Et là, je l'ai vu avant, mais le petit Bowser Junior... Je suis étonné, hein, ce niveau-là, par contre. Hein. Je pensais pas. La première étoile de Bowser Junior, il y a besoin de deux sauts. Un pour monter sur les pieds du robot, et un pour récupérer l'étoile. Et après, c'est le Bowser de la cuisine. Il n'y a pas besoin de sauter du tout. On peut tout faire sans... sauter. Après, c'est quoi, c'est... De rien. Ah oui, le Bowser de la salle des machines. Bah, c'est le Poulpe Boss. Pareil, on n'est pas obligé de sauter du tout. La comète violette est apparue. Non! Non! Eh bah, écoutez. Bah, c'était génial. Je suis trop content d'avoir fait ce challenge. Oh là là. Ah, c'est considéré comme une étoile, celle qu'on vient de prendre. Je pensais pas. Eh ben écoutez, ça sera probablement pour une prochaine fois. Mais là, je vais marquer une pause de Mario Galaxy. Là, de toute façon, il y aura la rentrée. Ça va être compliqué pour moi de faire autrement. Parce qu'à la rentrée, je sais pas... Les deux premières semaines, je pourrais... Je sais pas si je streamerai tous les soirs. Mais la première semaine, il y a des chances que je sois pas mal dispo. Donc on verra. Normalement, je devrais stream les mercredis. Enfin, les deux premiers mercredis, je devrais streamer. Et après, bah, les vendredis, les samedis, voire les dimanches si je peux. Mais vendredi, samedi, de sûr, je vais essayer de garder ce rythme-là. Et après, les mercredis, si je peux les garder, bah, je les garde. Donc écoutez... YouTube, un immense merci d'avoir regardé ce let's play et cette vidéo. Franchement, j'ai adoré. Je vous conseille, si vous savez pas quoi faire et que vous avez Mario 3D All-Star ou que vous avez peut-être Dauphin sur votre ordinateur, et bah en vrai, essayez de retourner sur des jeux, genre je sais pas, Mario 64, Sunshine, Galaxy 1, Galaxy 2, Odyssey, même Mario 3D World, hein. Y a moyen de, je pense, d'arnaquer le truc, grâce au chat notamment. En vrai, donnez-vous des défis sur des jeux que vous avez déjà fait plusieurs fois. Ça va vous permettre de découvrir le jeu sous un nouveau jour. Là, ça a été mon cas pour Mario Galaxy et j'ai vraiment adoré. Donc évidemment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et dites si vous voulez Mario Galaxy 2 et le 100% de Mario Galaxy 1. Mais surtout Mario Galaxy 2 en priorité, je dirais. Mais enfin bref... Eh ben écoutez, sur Twitch, on va continuer pour faire le petit planning de la semaine. Mais YouTube, sur ce, c'est la fin, c'est officiel. Merci beaucoup d'avoir regardé. Écoutez, on se dit bien évidemment à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, salut !